va y aller. On va y aller. Je le rappelle pour ceux que ça intéresse de faire le tournoi. Ceux qui l'ont pas fait, c'est sur ce lien. Vous pouvez le faire de façon décontractée. Vous n'êtes même pas obligé de marquer vos scores. Merci à ceux qui ont participé à l'entraînement. Vous faites ce que vous voulez. Normalement, le road trip était en NMPZ, mais on m'en a empêché. Oh là là, le road trip. Aïe, 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 aïe. Bah écoute. Écoute, tant mieux. Tant mieux qu'on t'ait empêché. Parce que NMPZ, bizarre l'ambiance, hein. Bizarre. Mais, oui, du coup, je disais, pour ceux qui n'étaient pas là avant, si jamais vous voulez faire le tournoi, c'est un tournoi hebdomadaire, donc toutes les semaines, qui, à chaque fois, est mappé par une personne différente, ou deux, d'ailleurs, là, c'était deux personnes, avec des thèmes... Enfin, vous faites ce que vous voulez, en gros. Donc, cette semaine, vu que c'était la Saint-Valentin, eh bien, on a d'ailleurs un petit logo qui est un peu différent d'habitude, comme vous pouvez le voir ici. Et cette semaine, c'est sur la Saint-Valentin, l'amour, tout ça, les trucs qui voilà, quoi, l'amour, là, les trucs, là. Le mec n'a pas d'impro là-dessus. Mais on va voir, hein, on va voir ce que ça a donné. Du coup, Biquette et Octa qui ont fait la map, les maps. On espère que ça va bien se passer parce qu'on a quand même un enjeu. L'amour, c'est un concept bizarre, ouais, le truc là, le truc où à la fin t'es brisé. Bref, le mec il se confie trop. Enfin bref, prédiction, est-ce que je vais faire... Du coup, en gros, j'explique, mais à chaque fois, sur chaque map, je fais une prédiction par rapport à la médiane des scores. Donc là, on est à 24 998. J'avoue que vous me mettez très mal pour un premier, une première map. Et vous savez quoi? Il y a eu combien de 25K là? Il y en a eu 3. Et c'est Hugo, Arnaud et Sim. Ok. Est-ce que 25K ou pas? Allez, ça sera ça la prédiction. 25K ou pas? Tout simplement. Bon, je sais que vous allez voter non, hein. Pourtant, vraiment, je suis très très bien entraîné, là. Je suis vraiment très très bien entraîné, donc il n'y a absolument aucune raison que ça se fasse pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la première map de ce road trip amoureux, tout ça, jamais de la vie, bizarre l'ambiance. Pourquoi il y a 0 points, là? Votez la côte, non? Votez la côte? Je sais pas, faites un truc. Les premières vacances en amoureux. Un mode de jeu road trip pour se mettre en route. Pour rappel, le mode de jeu consiste à ce que chaque point soit dans une région ou un pays voisin du point précédent. Alors, quelle destination nous allons choisir pour nos vacances? Très très bonne question. Très très bonne question là-dessus. Ok, des pays proches à chaque fois. Merci à la personne qui a voté pour moi. Biquette 142, Potimask. Tu t'es pas non plus foulé de fou. Mais en vrai, il y a déjà... j'ai posé 60 000. Putain, j'ai envie de vous ruiner, là. Ok. J'ai envie de vous ruiner. Je me concentre. En vrai, si je me concentrais vraiment, je parlerais plus. Mais vas-y. J'aime bien parler en jouant, donc un peu compliqué. Je vais jouer 10 crédits sur la côte. Oh là là, mais Mizu, franchement, tu prends des risques, hein. Le mec prend des risques. Vraiment, on est sur quelqu'un qui joue très, très gros. Ah là là. Écoute, on va voir, hein. 25K ou pas, très bonne question. Les premières vacances en amoureux, donc c'est un road trip. Un road trip donc avec des pays qui sont très proches à chaque fois. C'est du no move pour le coup et du 3 minutes par round. Écoute, on va voir. On va voir. Est-ce que on va valider la prédiction T1? Est-ce que là je vais me foirer et boum, c'est fini la prédiction, on n'en parle plus. Mizu, j'espère que t'as d'études, hein, parce que. Bizarre, hein. Bizarre sinon, hein. À tout moment, ça se finit là. Voilà, c'est ça. Et à tout moment, on se termine en une seconde. Fin de prédiction, il y a 2% de oui, 98% de non. Ça se comprend. Oh, j'ai rien raté. Comment ça t'as... Eh ben oui, t'as rien raté, bien joué. T'es plus en meeting, Titou, c'est bon? Pays, état, région, tout ça. Ah oui, ok. Ah oui, ça peut être un... Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison de me le dire, Pyrox, parce que sinon, j'aurais pu... me dire forcément que c'était qu'un pays, alors que ça peut être aussi un état ou une région, d'accord. Eh ben écoutez, tant que c'est pas les États-Unis, ça devrait aller. On est parti. 3, 2, 1, et go. C'est pas les États-Unis, mon gars. Alors, OMG, on est au Guatemala.
Le Guatemala, qu'est-ce qu'on en fait du Guatemala? Il y avait GTO au cas où, il faut trouver la ville. Hein. Il faut trouver la ville. Le Semia, c'est pas une ville, malheureux. Bref. Non. Rosas? Non, je pense pas. Croville, Guatemala. Ah, c'est écrit un truc là. SA. C'est un état ou pas? La Ciudadana. C'est quoi les villes un peu là? J'ai pas l'info encore. Je vais crever. 47 cahiers zona 12. J'essaye de lire. Hein. J'essaye de lire hein, parce que il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Mais il a un fusil à pompe. Ah ouais. Le mec est énervé quoi. Zona, c'est une maladie, te fie pas à ça. Ouais, 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 c'est une maladie, ouais. SA, Transportation Inc. C'est peut-être là-dessus, hein. Diles que te envienne remessas ban rural. Señora cuenta. Il reste une 30. J'ai pas la ville, hein. Attends, après, est-ce que ça se trouve, il y a juste pas écrit de ville, hein. Pipa. Ripa, pipa. Coban. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai vu dans les noms? Flores, je l'ai vu ou pas? Magdia. Mais non, le Magdia. Et bah ça va être mort, hein. Remessas? Banrual, peut-être. Faut cliquer déjà, parce que sinon je vais faire 0. Et là, je vais payer un sub d'office. Attends, est-ce qu'on parle de Zona ici? Zona 12, putain, on parle de Zona, merde. Oh, c'est là. 42, elle où la 42? Elle devrait être pas loin. Petapa, putain. 42, 42, 42. On est là. Je pense. 47, il y a écrit. 47, I. Oh, c'est dans l'autre sens, quoi. Ok. Ah oui, c'est dans l'autre sens, putain. Comment ça? Comment ça? Attention, hein. On peut vérifier, mais normalement... Normalement, c'est ok. Normalement, c'est bon. Ok. Ça passe. Qui s'est inquiété ici? Qui s'inquiète? Meeting annuel, le prochain arrive bientôt. Oh non, Titou. Bon, c'est pas grave. Tu peux suivre un petit peu, alors. Réfléchis pas trop, en fait. Ouais, ok. Eh ben, écoute, heureusement, hein, parce que j'avais pas la... Bah, il n'y avait pas écrit de ville, on est d'accord, Biquette. Il n'y avait pas écrit que c'était... c'était Guatemala, quoi. Enfin, elle s'appelle Guatemala, la ville Guatemala City, ou je sais pas quoi. 42, oui. Salut, Wally. Salut, salut, j'espère que ça va. Speedrunner de l'extrême. Ah, eh ben oui, hein. J'ai failli crier le monstre. Tata. Pourquoi t'as pas mis 2 minutes? J'avoue, en 2 minutes, j'étais mort. Hein. Salut, Mini. Comment ça va? Salut à vous, à ceux qui arrivent. On vient de commencer le tournoi, donc on est déjà sur un 5000, et la prédiction c'est est-ce que je fais un 25K sur cette map? Pour le moment, franchement, c'est une formalité cette game. Cette game, c'est une formalité. Bon, tout le monde a fait 5000, ok, mais vas-y. Là, il y a Mizu qui a fait 4999. Attention! Vous êtes très fort, merci, merci, Mini, mais tu n'es pas obligé de me vous voyez, bien sûr. Ça va, oui, je rigole, c'est cool. Ah bah ok, bonjour à toi, bonjour à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un misclic, c'était censé être 2 minutes. Yes. Yes. Ok, bon, 42, hein. 42, on disait. Par contre, ouais, heureusement que j'ai vérifié à la dernière seconde. Hein. Parce que là, attention, attention. On continue. Salut Tof. Kosala, bah, je pense qu'on n'est pas à Kosala en vrai, là, non, là. Et attends, du coup, on est où? Dans quel pays déjà? Paul. Après, est-ce que c'est... Kosala, Sinaloa... Ok. Kosala. Alors, du coup... Est-ce que c'est un road trip? C'est certainement... on était à Guatemala, on se rappelle. Déjà, on n'est plus au Guatemala. Certainement. Certainement, on est certainement au Brésil. Et ça... au Brésil, au Mexique, pardon. Et Sinaloa, c'est une région. Est-ce que
on a une région qui s'appelle Sinaloa, tout simplement. C'est ça la question du jour. Oui, on en a une. Et on a Kosala également, qui peut servir. Qui peut servir. Calle Antigua. Et là, on est à côté d'une pharmacie moderne. Calle Antigua. Ah, ça doit être ce truc-là, là. Non ? Farmacia moderne. Y a quoi d'autre ? Parce que Kosala, il y a une église. Il y a une église, ouais. Ça doit être ça. Église qui est à l'est, à peu près. Attends, c'est Antigua ou Arteaga ? Arteaga. Antiaga, non, je sais pas. Telcel. Attends, l'église est là. À l'est. Où est-ce ? Déjà, je vois pas la pharmacie. Oh, mes yeux. Mes yeux. Attendez, faut ouvrir les yeux. C'est peut-être pas là, d'ailleurs. Après, c'est une église, quoi. Arteaga, hein. Mais moi je pensais Arteaga. Hein. C'est ça ? Non, c'est pas ça. À l'est ? Bah non, c'est pas ça. I ! Pharmacia moderne, telle celle. Mais c'est une place bizarre là. On est vraiment collé. On est genre là quoi. Ah ! Pharmacie ! Elle est où ? On est genre là quelque part ? Non ? Là, il y a un mur. Je sais pas. Il reste 25 secondes, non. Pas comme ça, pas comme ça. J'ai pas envie de faire comme Mizu. Là ? C'est pas écrit ? Mais non, là, il y a une rue. Oh là ? Juste ? C'est juste ça ? Je sais pas. J'ai pas envie de voir, j'ai peur. Oh putain. Oh putain. Oh attention. Je parlais de tous les participants, mais d'accord, je vais continuer pour vous mettre mal à l'aise. D'accord, ok, mini. Ok, je vois le genre. Bah salut, Tof. J'espère que ça va. J'espère que ça va bien. Ta-ta-ta, vraiment légendaire. Ouais. Il est gentil en mapping biquette. Eh, j'ai failli pas l'avoir, Wally, hein. En vrai. Attention, on a eu peur. On a eu peur. Heureusement, je suis pas cardiaque. Enfin, si, je suis cardiaque, pardon. Ah merde. Bon, bah. C'est vrai que Biquette est l'un des seuls qui a voté oui. Donc, en vrai, ça serait pas mal pour toi. Là, il y a quand même pas mal d'argent en jeu si je fais le 25K. Letras, simplement lettre en espagnol. Ah, j'ai dit letras ? Ah oui, ça. Ah oui. Oh putain, oui. Oui. Ouais, j'aurais dû me baser par rapport à ça, en fait. Ouais, Google a pas assuré sur le coin là. Ouais, j'ai paniqué. Franchement, je comprenais rien. Après, je me suis quand même basé sur le fait qu'à l'est, on avait l'église. Donc ça passe. Mais pour le coup, il n'y avait pas grand chose qui correspondait à ce niveau là. Déjà, il n'y avait pas d'hôtel là non plus. Donc bon. Attention. Hein. Ça me rassure de ne pas être le seul à avoir serré les fesses au moment de guess. Ah bah là, vraiment, on n'était vraiment pas sûr. Hein. Et du coup, tu t'es mis où, Mizu ? Pour faire 4999, tu t'es mis là. On pouvait s'attendre à une grosse route avec la une. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, j'ai pas du tout cherché directement autour de la une. Hein. L'intersection en bas à droite. Ah là, ouais. Ouais, bah tu vois, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Dommage. Intersection en bas à droite. On trouvera ça souvent sur les places principales des villes en Amérique latine. Ok. Et en Espagne aussi, d'accord. D'accord. C'est vrai que je savais pas. Bah merci pour les infos. J'étais sur le point tout du long, j'ai changé à la fin. Mizu l'erreur, il faut jamais changer à la fin. Il faut rester sur ses positions, même si tu fais de la merde. Au moins, tu seras pas déçu si c'était la bonne réponse à la base, quoi. C'est ça l'idée. Allez, on y va, on continue. C'est possible, le 25K est possible. Oregon, ok, on continue. University of Oregon. Est-ce que... donc l'Oregon. L'Oregon qui est où ? Ce fou là.
il est là. L'Université d'Oregon, est-ce que, en vrai, on part du principe que, vu que c'est l'Université d'Oregon, c'est dans la ville la plus grande de l'Oregon, donc, peut-être Seattle ? Peut-être Seattle ? Seattle University, ouais, ben bah, oh. Ils comprennent rien, eux. Ils ont pas compris. Portland ? J'ai peut-être loupé un truc après, hein. C'est fort probable. Parce que après, si on se dit qu'il faut pas trop réfléchir non plus... attends, on va regarder quand même un petit peu autour. On regarde un petit peu. Smoke... Klamath Hall... Ah, Lewis. Lewis, c'est une ville. Lewis, c'est une ville ou pas? Ou bien c'est un quartier, je sais pas. Lewis, Franklin Boulevard. Y a un truc que j'ai loupé? Ou bien j'ai juste pas regardé? Ah mais c'est fou, frère. On voit rien. Il reste une minute. Ça me paraît compliqué, là. On avait dit quoi, Lewis? Lewis. On va partir du principe que c'est dans une grande ville, mais un peu sur le côté. Tu vois? Oh, Oregon City, salut, toi. Est-ce que c'est ça? Non. Tu vois, grande ville. Salem. Salem, c'est connu, non? Gilbert House Museum. Aïe, aïe, ça sent pas bon. Je ne le vois pas, Lewis. Lewis, Lewis, Lewis. Est-ce que c'est seulement ça qu'il faut chercher? Peut-être pas, hein. Lakeview. Oh, Klamath Falls! High School. Je le vois pas. Je le vois pas, je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois pas. High School. Non. Non. Un peu en périphérie. Non. Là. Mais non! J'ai vu Klamath Hall! Here I come. Oh, here I come. J'ai vu Klamath. Ah non, c'était Klamath Hall, c'est pour ça. Oh, c'était Eugene. Oh, University of Oregon. Ah, ça se voyait bien. Ouais, ça se voyait bien. Ça se voyait bien, c'est my bad. Non, j'ai vu. J'ai vu Klamath Hall, je crois. Ce qui m'a bait. Ouais, Klamath Hall, en fait. Et du coup, c'est. Le Lewis n'avait aucun rapport, aussi. Eugene. T'as Eugene et... C'est un quartier? Non, c'est quoi? Oui, la capitale de l'Oregon, c'est pas Seattle. Et non, et non, et non. Dommage. Dommage, il y a eu du Portland. Il y a eu du Klamath Falls. Le mec est tout seul là-bas, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Prédiction. Eh bien, je suis désolé, hein, pour ceux qui ont cru en moi. Bah, vous êtes pas beaucoup, donc en vrai, c'est pas si grave. 25K ou pas, la réponse est non, 3394, ça pique, hein. Ça picote, 3394, mais ouais, je voulais tellement voir un Seattle WA là, ouais non, ah putain, oui c'est vrai, j'ai pas vu la frontière, je suis con, Seattle c'est surtout pas, c'est pas en Oregon, bah oui, mais oui, putain, mais en fait elle est tellement mal faite la frontière, on voit pas. Enfin, si on me voit, en vrai, c'est moi qui suis aveugle. J'ai gagné 213 points de chaîne, let's go. Bah, bien joué, toi, Pyrox. J'avoue que là, la richesse s'est sentie. Est arrivée dans votre porte-monnaie, là, pour le coup, avec ce genre de points. Eh bien, je vois ceux qui l'ont eu, hein. Vous n'êtes pas beaucoup. Il n'y a que Hugo et Sim qui l'ont eu, en fait. Et Klamath Hall, il était là, en fait. Eh bien, dommage. C'est pas grave, on continue. Du coup, on était dans l'Oregon, à Eugene, pour ce road trip. What, il y avait 85K sur la prédit. Non, mais ils ont abusé. Ils ont abusé. J'avais trop envie de réussir. Juste pour ça. Alors, Literacy. Port of Nanaimo Center. On est à Vancouver, a priori.
A priori, on sera à Vancouver. Zone A. Oui. Vancouver Island Conference Center. Ok, on doit être dans ce coin-là, alors. Vu que là, c'est une île. D'après... Oh putain, ça va là-haut. Waouh. Mais trop riche, en fait. Mais les gars sont vraiment trop riches, hein. C'est un truc de fou. Bon, ça va pas se voir. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Port of Nanaimo Center. Nanaimo. Peut-être ce truc-là. Granville Island. Non. Nanaimo. Center. Je vois que ça débat dans le chat. Ça débat. Et bien joué, hein. Bien joué à ceux qui l'ont eu le point d'avant. En vrai, j'aurais pu l'avoir, hein. Clairement. J'ai juste pas assez zoomé, je pense, sur Eugene. Ou bien j'ai pas fait gaffe en zoomant dessus. Je sais pas ce que ça donne à l'écran. Mais je ne l'ai pas eu, malheureusement. C'est non. D'ailleurs, je suis en train de pas trouver là. Ah, elle est là. Vancouver. C'est ça ? Vancouver Public Library. Non, ça, c'est une vraie librairie. Là, c'est un peu plus petit. On n'a pas un nom de rue. On a quoi ? Ça a l'air joli, Vancouver, quand même. Hein. Serious Café. Vancouver Island Conference Center. Le porte, là, il est où ? Ask for Luigi, ok. Pacific Center, c'est ça, non? Je sais pas. Non, il parle pas de Pacific. Hein. Absolument pas. Convention Center? C'est pas ça. Island Conference Center. C'est pas ça. C'est très beau, Vancouver. Ça a l'air, hein. Vancouver Island est encore plus beau. Ah ouais? Ça veut dire que c'est pas ça. Mais ouais. L'un d'entre vous y est déjà allé ou pas? Vancouver Maritime Museum. Là, c'est une île. C'est là. J'ai pas regardé là-haut. J'aurais peut-être dû. Ah! Ok. Ah, Nanaimo, c'est une ville, d'accord, mais je ne connaissais pas, juste. Je pensais que c'était un nom normal, quoi. Ok, donc c'était... On est où, là, exactement? Ah bah, c'est toujours Vancouver, je comprends pas trop. Le mot Island était important, ouais, clairement, Wally. Et en fait, moi, quand j'ai vu Island, je me suis dit, Island, tu vois... Un petit truc comme ça, ça passe comme une island, tu vois. Fallait dézoomer un peu, ouais, j'étais trop zoomé. Mais j'ai même pas pensé à aller regarder de l'autre côté, hein, vraiment. Nanaimo, ok. Alors, prochaine prédit, je te prends tout. Ah ouais, ça aurait été beau qu'on soit à Vancouver au-dessus de Portland. Ça aurait pu être un truc. Et je me suis dit, il y a une arnaque, on va pas être dans la plus grande ville, donc j'ai cherché à Eugene en premier. Ah oui, tu parles de l'Oregon. C'est bien vu. C'est pas Vancouver City, c'est Vancouver Island. Ok, bah je connaissais pas du tout. Nanaimo. Vancouver Island. Et du coup, personne n'y est allé à Vancouver ? Île de Vancouver, île au Canada. Est connue pour son climat doux et sa communauté artistique florissante. Waouh. Image. Pa. Jure des orques. Île de Vancouver, ouais, ok. Et bah stylé. Non, en vrai, ça a l'air fou, le Canada. Je sais pas si des gens sont déjà allés au Canada dans le chat, mais... Et moi, à un moment, je voulais y aller. Puis c'est passé, mais après... pourquoi pas un de ces jours, hein. Pourquoi pas un de ces jours. 4507. C'est pas ouf, mais je suis pas le seul à m'être trompé. Il y a aussi un certain Mizu47. Mais non,
4507. Hop. Je sais pas où j'ai écrit, ça a bugué. Victoria, ça a l'air beau. Bah ouais, clairement. Clairement, ça a l'air giga beau ce pays. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Tac. J'aimerais trop faire Banff. C'est où Banff? Biquette. Banff, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Je regarde le chat un petit peu parce que j'ai loupé des messages vu que j'étais en train de faire un 5K. Pas du tout, le mec ne faisait pas de 5K, dommage. Attends, du coup, Banff, tu me dis Banff, qu'est-ce que c'est? Pile au Canada. Oula, ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal. Oh là là. Oh, la montagne. La montagne de Zinzin. Oh, les lacs bleus comme ça. Oh là là. Non, ça a l'air trop beau. Ouais, mais pourquoi j'ai Steam d'ouvert, là? Pour ça, ça bug. Pas dégueu, hein. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Oh, je sais pourquoi. Dites-vous, depuis tout à l'heure, je sais pas si le stream laguait pour vous, mais j'étais en train de faire un téléchargement en même temps. J'étais en train de faire la match de Baldur's Gate en légende. Le mec s'en fout. Le mec s'en fout, vraiment. Ok, bon. Tant pis, on l'a pas eu. Vous êtes beaucoup à l'avoir eu. Juste Tetz et Mizu qui l'ont pas eu avec moi. Tetz, du coup, je sais pas si t'es encore là. Tu t'étais mis où, à peu près? On n'a rien remarqué ici. Eh ben, écoute, c'est parfait. C'est que la connexion fonctionne. J'ai un display avec la première image. Oh là 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 là. Stylé. Stylé, en vrai. Peut-être un objectif un jour. Hein. En vrai, pour le coup, le Canada, ça m'intéresse beaucoup plus que les États-Unis. Niveau destination. Après, est-ce que c'est la prochaine destination? Non, je ne pense pas. Vu qu'avant, il y a quelque chose d'assez proche. En mai, je vais en Albanie. En mai, je vais en Albanie avec des potes. Ça va être cool. Je vais regarder s'il y a la fissure dans le sel ou pas du tout. J'ai pas vu Nazimo sur le bâtiment. Ah merde! Je suis dans la grande ville au sud. D'accord, la grande ville au sud. À Victoria, carrément? D'accord. Ok, ok. Ah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais par contre... Ouais. Oui, si, t'es un peu plus loin, effectivement. Why not? Allez, dernier point. Dernier point, on continue ce road trip. Donc là, on est certainement... Ah, on est en Alaska. Mais dans quelle ville en Alaska? Très bonne question. Non, je savais pas que... Il y a des voitures avec une plaque comme ça sur le côté. Marine Lines. Après, attends, déjà, on va aller en Alaska. On va partir du principe que c'est Anchorage pour le moment. Anchorage. Après, là, il parle de Marine Lines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est à côté de l'eau. Petite maison, ambiance... comment ça s'appelle, là, le film avec... avec Jim Carrey, là. Où il est enfermé. Ah, attends, Petersburg... Fisheries... Est-ce que c'est une ville, ça, Petersburg? On va rester là, mais je vais quand même regarder Petersburg dans le doute. Dans le doute... Non, tu sais quoi, je pense que c'est juste un bâtiment de la ville. Petersburg. Parce que si on suit la logique des précédentes maps. Putain, c'est quoi cette musique? Elle me dit quelque chose. Ballad of the Goddess. Ah, mais c'est Zelda, je suis un fou! Si on suit la logique des précédents points, s'il n'y a pas écrit le nom de la ville, c'est que c'est la plus grande. À peu près. Putain, j'aime trop les musiques de Zelda, c'est trop. C'est trop les musiques de Zelda, hein, franchement. En plus, là, récemment, il y a eu le Nintendo... Il y a eu le Nintendo Orchestra, là. 2024 à Tokyo. J'étais à ce moment-là à Tokyo, d'ailleurs. J'aurais peut-être pu le voir, mais ça doit être plein des mois à l'avance. Et ça avait l'air bien cool.
et c'est un plaisir à écouter. Un truc comme ça. Logique, ça n'a jamais été le cas jusque-là. Ah ouais? Vraiment? Biquette, t'as pris de tes cachets, j'espère. Si Biquette est consistant avec lui-même, ça se tient. Écoute, il y a un truc, hein. Il y a un truc. Comment ça, ça n'a jamais été le cas jusque-là? Bon, vas-y. Encourage, on va dire. Moi, je maintiens. Je suis confiant sur ce encourage. Ok? Si c'est Petersburg... C'est Petersburg. Non! Aïe, aïe, aïe. Donc, ça reste consistant. Aïe, 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 aïe. Non! Mais moi, je croyais que c'était juste le nom de l'entreprise. Je ne connais pas cette ville. Mince. Bon, c'est pas grave. Avec Mizu, on est ensemble, hein. On est ensemble, Mizu. C'est grand, l'Alaska, on dirait pas. Ben ouais, c'est clairement grand. Hein. En fait, le problème, c'est que je ne connais pas la Street View en Alaska. Je sais qu'il n'y a pas tout qui est Street Viewé. Donc, à partir de là... C'est compliqué, déjà, un petit peu. 24 points, ça pue la merde. Mais j'ai plus que Mizu. Donc, en vrai, franchement, on prend. On prend 4507, mais de pas grand-chose, hein, vraiment. Ouais, je suis pas dernier, pour le moment. Et t'as cru que je suis méchant au mapping? Ah, mais je sais pas, moi. Je ne sais pas comment juger ton mapping, pour le moment. C'est immense, mais il y a genre 3 villes et 12 villages. Ouais, mais attends. On va aller sur quoi? Sur Geofrench Tips. Je sais pas si vous connaissez Geofrench Tips, mais apparemment, il y a des trucs à voir là-bas. Alaska, du coup. Alaska. Ouais, ok. Ouais, c'est quand même pas mal Street View, hein. Il y a un truc. Après, Non, on était vers là, et tu vois, là, il y a que... Merde. Il n'y a que un petit coin où c'est Street View là, après c'est Street View là et là. Non mais t'abuses de Plonk le poids aussi. Le poids? Qu'est-ce qu'il a Plonk? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, ok, ouais. Oui, tu t'es mis en plein milieu. T'as déconné, mec. Le poids? Le P... Je sais pas. Point d'intérêt? Peut-être un truc comme ça? Et le mec aussi, vous avez du langage, moi je ne vous comprends plus, hein. Ouais, ok, bon, en fait je l'avais, vas-y, c'est bon, hein. C'est bon. Voilà, ouais, c'est quoi ces scores? On fait quoi, là? Ok. Le point de l'intérêt. Ok, donc après le road trip, apparemment, dans un couple, il y a l'adoption de l'animal. Ok. En vrai, ça fait plutôt sens. J'ai déjà vu ce cas de figure, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt accurate, hop. Je mets des petites lumières rouges pour sur la cam pour test. Ok, c'est pas mal. Après, je suis le seul qui a eu le R1 de la Terre, mais tranquille. Oula, le mec veut rappeler qui est le boss, en fait. Je voulais aller en Europe de l'Est, voyage surprise pour ma femme. Quel pays, ville vous recommandez? Je pensais Budapest ou Belgrade, mais c'est peut-être un peu facile. Bah Budapest, c'est une ville de fou. Hein. Moi, j'ai fait Budapest en Europe de l'Est. Et c'est une ville très très cool. Et je pense que, ouais, en couple, ça peut être cool aussi. Hein. Ça peut être très très cool. Attends, on va regarder un petit peu. Après, du coup, moi, ce que j'ai fait Budapest. J'ai fait Hongrie, Slovénie, Autriche dans l'Est. Donc, je saurais pas dire pour le reste, pour Belgrade, par exemple. Mais déjà, Budapest, très stylé. Ljubljana aussi, c'est... Après, c'est combien de temps tu veux y aller aussi, Titou? Parce que Ljubljana, c'est vraiment aussi très beau comme ville. Bon, là, vas-y, je me suis mis au pire endroit, vas-y, je suis un troller. Mais c'est incroyable. J'ai trop kiffé la Slovénie. Hop, on va se mettre là. Petite Slovénie, là. Franchement, ça se fait plaisir. J'ai marché, là. J'ai marché ici. Là-bas, il y a une petite place très sympa. Je suis où, là? Ah, putain. Non, mais c'est très cool. Moi, je recommanderais... Ljubljana, Budapest, en vrai. Dans ceux que je connais, du coup. Après, Budapest, c'est... Ah, voilà, c'est cette place. C'est très cool.
Mais je sais pas laquelle est la meilleure en couple en fait. C'est ça surtout. Une petite semaine, ok. Ouais, parce que en vrai, si tu fais une petite semaine à Ljubljana, c'est pas ouf parce que bah t'as la ville est quand même relativement petite, donc ça passe assez vite. Mais après, le truc qui est bien avec la Slovénie, c'est d'aller se promener un peu autour. Genre, tu loues une voiture, tu prends une voiture de location, tu pars un peu autour. Je te mets un point random, hop là, stylé. Non, pas stylé, bon. Vas-y. Tac. On va se mettre à Bled. Bon, là, c'est touristique comme par hasard, mais là-bas, c'est la montagne, quoi. Tu vois, c'est ce genre de paysage, c'est ce genre de choses que tu as envie de voir. C'est dur de faire une ville en une petite semaine, il faut faire 3-4 jours. Et moi, j'ai beaucoup fait ça, des capitales en un week-end, genre en partant le vendredi soir et en revenant le dimanche soir. Et des fois le lundi matin. Mais je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Et des fois, oui, c'est sûr que bah, rester une semaine dans une ville, c'est pas forcément la meilleure chose, tu vois. Après, ça dépend de la taille de la ville, mais il y a toujours des trucs à faire autour. En fait, Budapest, j'aime beaucoup, mais le truc, c'est que Budapest, pour le coup, enfin, de ce que moi j'ai ressenti, c'est que Budapest, la ville est cool, mais autour, il n'y a pas un truc de, il n'y a pas des trucs de fou à faire, tu vois. Donc en vrai, si tu restes une semaine, est-ce que tu as envie de rester une semaine dans la même ville? Je sais pas. Riga et Tallinn. Ouais, j'ai jamais fait les pays baltes. J'aimerais bien faire aussi. J'ai fait chaque ville des pays baltes et en un week-end aussi. Ouais, tu vois, Hugo, ça se fait, hein, clairement. Ouais, Riga et Tallinn, tu valides, Hugo? Prague, déjà fait, mais cool. Ouais, Prague, j'ai jamais fait, mais on m'en a dit que du bien. On a tenu 3 heures avec Octa. Ah ouais? T'es allé à Nancy, Biquette? Il y avait trop de monde, c'est ça? Ah, parce que c'est vraiment très touristique pour le coup. Nancy. Par contre, ouais, du coup, la Slovénie, je trouve que c'est un pays où justement c'est pas encore trop répandu au niveau du tourisme. Il y a beaucoup de touristes, c'est sûr, mais beaucoup moins que dans les autres pays, tu vois. Genre les Budapest, les Prague, tout ça, là, il y a beaucoup plus de touristes là-bas, quoi. Palmarès de Nancy, on a la plus belle place de France. C'était emmerdant, il pleuvait, ça puait la merde. Oh, le rageux. Oh, le rageux. En vrai, Nancy, c'est stylé, hein. C'est stylé, mais bon, c'est sûr que ça. Vu que c'est énormément connu, bah. Enfin, non, mais. Ouais, Nancy, encore, je sais pas. Ouais, la place Stanislas, quoi, tu vois. C'est connu, mais vite fait. Après, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a à faire d'autre, hein. Moi, je suis passé une seule fois à côté. Mais voilà, pas ouf. Tu m'étonnes alors que Metz est beaucoup plus riche et beau. Eh Wally, tu viens pas de Metz, toi, par hasard? Il me semble que t'avais dit ça une fois. En vrai, Metz, c'est mignon. C'est mignon, mais l'hypercentre, tu vois. Après, autour, bof. J'ai speedrun Nancy en 6 heures, j'ai tout vu. Oh là là, le fou. Non, en vrai, Metz, c'est sympa. Surtout, bah là, ce coin-là, la Temple Neuf, tu vois, c'est cool. T'as le Temple Neuf, justement, qui est pas mal. Et genre, quand tu vas un petit peu sur le côté, là, tu vois qu'en fait, l'architecture est vraiment pas mal du tout. Comme ça, petite vue, tu vois. Franchement, ça se fait, hein. Nom de beach. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Je préfère le Capitole ou la place Saint-Sauveur, ok. Octave vient de Nancy, donc j'allais à Metz à chaque fois que j'allais la voir. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qui me semblait. On a fait le marché de Noël de Metz, c'était cool. Ouais, ok. Ok. Bah ouais, Metz. Non, Metz, c'est cool, hein. Après, on s'éloigne parce que Titou, à la base, il voulait aller en Europe de l'Est. À part si Metz, c'est l'Europe de l'Est. On sait pas trop. On sait pas trop. Y a plus de choses à faire en 3 jours à Metz, seulement l'hypercentre, qu'à Nancy en une demi-journée. Ah ouais, ok. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après, moi, j'avais bien aimé Metz, mais un peu sans plus, quoi. Prédiction. L'adoption d'un animal map 2. Donc... Oh putain, il m'a fait peur. Soukar. Soukar, tu m'as fait peur, merci. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Putain, j'ai cru qu'on toquait à ma porte. Vraiment, j'avais oublié ce sound. Salut, Soukar. J'espère que ça va. J'espère que. Attends. Est-ce que c'est toi?
C'est toi qui joues à LoL avec Nilo. J'espère que tu vas monter. J'espère que tu vas monter. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. C'est l'Europe de l'Est, l'Alsace-Moselle. Non, en vrai, si tu veux, on peut se dire ça. Malheureusement, c'est bien moi. Aïe, aïe, aïe. Ça va, t'as un petit peu monté quand même avec Nilo? Parce que là, ouais, nous hier, j'étais abattu. Hein. J'ai joué avec Nilo à LoL. On s'est fait troll. Hein. J'ai quitté la game, j'étais point serré. Hein. J'étais vraiment point serré. Tu vois, en mode Arthur point serré. Vraiment, comme ça, là. Le mec, il allait se coucher. Non, pas celui-là. Putain. Ok. Ouais, celui-là. Celui-là, pardon. Le pire jeu, clairement. Clairement. Je vais me faire ban. Ok, vas-y, on se casse. Allez. Ok, l'adoption d'un animal, bien sûr, map 2. C'est du move, c'est du 3 minutes. La médiane est à 23 475. Est-ce qu'on va faire 23 475? La réponse est non. La prédiction, on va faire 21 000. Hein. Est-ce que je fais 21 000 points sur la map ou plus? Je vous laisse deviner. La singerie. Non mais, j'avoue, j'ai oublié que j'étais en stream, mais Google Images, c'est dangereux hein, pour les streams. Hein. Mince, j'ai oublié de voter. Non, mais j'avais pas lancé le vote. Hein. J'avais pas lancé le vote, ne t'inquiète pas. Eh oui. Ouais, j'aurais pu lancer le vote en parlant, c'est vrai. Et du coup, tiens-nous au courant, Titou, pour ta destination vacances. Dis-nous tout. Dis-nous tout, mais... Après, je sais pas quand tu veux y aller, Titou, mais en ce moment, ça doit être moins cher quand même que sur les grosses périodes, quoi. En mai. Ouais, en mai, tu vois, ça commence à être le début... des chaleurs, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Ah, cool, la musique d'Hollow Knight, là, j'avais pas vu. Pourquoi il y a un mec qui a voté 39 000 points sur non, là? Est-ce qu'il peut se manifester, s'il vous plaît? On n'a pas les mêmes puntos à ce que je vois. Ouais. C'est qui a fait ça, là? Allez, all-in. Putain, mais attends. Qui veut ma mort, là? Hugo, 37 000 points. Attention, hein. Attention. Merci pour les conseils, ça m'ouvre des horizons auxquels j'avais pas pensé, notamment la Slovénie et les Pays-Bas. Ouais, je pense que c'est des destinations qui sont un peu sous-cotées. Slovénie, peut-être un peu moins que les Pays-Baltes, mais les Pays-Baltes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y pense. Je vais devoir y aller, bonne fin de stream. Ça marche, Teds? Bah, bon week-end à toi, merci d'être passé. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, en fait. Ok, pour le moment, il y a 12% de oui et 88% de non. Vous vous rendez compte ou pas? Les gens veulent me nuire, ici. Les gens veulent mon décès. C'est absolument... ça fait mal, hein. Ça fait mal, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Big Flo et All-In, allez. Pyrox, tu l'as fait, ton All-In, là? Toi, t'as même pas voté. Le mec veut garder ses puntos. Vraiment, Attends, est-ce que... Qui m'a envoyé un message? Parce que mon frère, je vais aller le chercher à 15h, mais bon, vas-y. Je vais lui dire... 15h30. 15h30. Attends, je sais même pas. Non, mais je serai jamais là. Non, vas-y. Je vais dire 15h30, peut-être. Peut-être. On va pas trop s'investir dans cette réponse non plus. En tout cas, merci d'avoir voté. Hop, on va y aller. Alors, la deuxième map, c'est l'adoption d'un animal. Donc là, je suppose qu'on va être sur une map où il y a plein d'animaux. Donc moi, je valide ce genre de map. Il n'y a aucun souci, 17h30 plutôt. Ouais, il peut prendre le bus à ce niveau-là, hein, je pense. Parce que je crois qu'il finit à 15h. Il m'avait demandé d'aller le chercher, mais j'ai dit « Ah, demain, j'ai stream, je ne sais pas si ça va être possible à 15h pile. » Mais très chaud. Je vais être tellement riche. Ah, écoute, on va voir, c'est maintenant sur cette musique d'Hollow Knight. Ok. Ah, on peut bouger, c'est vrai. Oh, des kangourous, mais non, trop bien. Putain. Oh, je suis abattu de devoir partir, là. Attends, bon, ok. Australie, du coup. South quoi? Est-ce que c'est New South Wales, peut-être? Peut-être que c'est ça, l'idée? J'ai pas pinpoint, je peux faire le fou. Hop. On est bloqué, là. C'est une prise d'otage. Ça y est, je regrette déjà. Mais pourquoi? Mais putain, on est bloqué! Pourquoi tu regrettes, mec? Bizarre. Jameson High.
Le mec regrette déjà alors que peut pas y avoir de kangourou ailleurs qu'en Australie. Hein. Ah putain, mais... On peut sortir ou pas? WA. Ok, Western Australia. Et c'est quoi la ville? Danemark. Ok. Danemark en Western Australia. Est-ce qu'on l'a déjà à ce niveau de zoom? Je crois que là-haut, c'est pas trop Street View V. Je vais regarder dans ce coin-là. Danemark. Il y a Albanie. Ah, oh, mais il y a Danemark à côté, mais non. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Attends, vas-y, on va aller voir... On va aller voir le nom de la rue, là, parce qu'on avait un nom de rue tout à l'heure, de mémoire. Oui, Jameson High. Et au sud, on a de l'eau. D'accord. D'accord, d'accord. Au sud de l'eau, Jameson High. Voilà, il y a des trucs en full high, bien sûr. Après, est-ce que c'est genre un coin comme ça? Jameson High. On est sur les hauteurs, là, c'est sûr. Peut-être un coin comme ça, là, un petit peu. Non. Je vois que ça parle dans le chat. Vous êtes étonné de ma performance? Je comprends pas pourquoi, franchement. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Surtout quand il y a écrit dans le titre, si je suis dernier, je paye un sub. Donc en vrai, je vois pas pourquoi vous croyez pas en moi. Genre bizarre. Bizarre l'ambiance. Hey! C'est des trucs comme ça peut-être? Il reste 20 secondes. Bon. En vrai, c'est déjà pas mal, franchement. Franchement, on prend. Hein. Peut-être là. Danemark, Skrills. Non. Ah, c'était là-bas. C'était là-bas. Franchement, on prend. Énorme panneau inattendu. Il n'y a jamais d'adresse sur les panneaux des agents immobiliers. Et là, il en trouve une. Ah ouais? Il n'y a vraiment jamais de... Comment ça? C'est complètement lunaire, quoi. Il y a une mise à jour, son image est tellement clean par rapport à ce qu'on avait avant. Vous parlez de quoi, là? C'est quoi cette info? Oh, l'info de malade. Ah, vous avez pas vu cette info? Comment vous... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On prend pas, non. Eh, on prend. 4984. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Vous avez pas eu l'info? Vous avez réussi à sortir du quartier? Mais vous avez pas eu cette info-là? Mais Punto censure, attention, hein. Fallait pas faire d'all-in, hein. Hugo a dû aller dans la ville au bout de 2 minutes 30 pour avoir la ville. Ah, il s'est passé 707 points. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es mis où, Titou? Tu t'es mis où? Ah, ok, là. Victoria, d'accord. C'est toujours 300 de plus que Mizu, c'est vrai. Bah, le déplacement qu'on avait était éclaté au sol et toi, l'image était belle, ça bougeait bien et tout. Ah, ah vraiment? Oui, bah au début, c'était dégueulasse. Et après, j'ai eu un moment où il y a eu un switch. Et c'est passé en novembre 2023. Mais au début, c'était clairement pas cette image de mémoire. Genre, vous, ça devait être un truc comme ça. Oui, c'était ça, c'était 2010. Et moi, d'un coup, j'ai bougé. Bah, en allant là, justement, en allant dans ce coin-là, ça a bougé de Street View. Et on voit l'évolution. On voit qu'en 2023, il y a des maisons alors qu'avant, il y avait des kangourous, quoi. Le mec voyage dans le temps au calme. Bah écoute, hein, une formalité. Hein. Incroyable ta dette, ça. Bah écoute. Parfait, parfait, c'est ce qu'on a envie de voir. Hein. Le point était trop simple, en fait. Mais attends, du coup, on pouvait sortir parce que moi, j'ai galéré. Ouais, on devait pouvoir sortir par là, mais... Mais bon, écoute, on prend. On prend. On n'a pas envie de se casser la tête non plus. On continue. Oh, des dogos. OMG, mais ça, c'est... Oh, c'est la Bulgarie, ça. Là, t'as pas envie d'y être. Oh, les chiens. T'as pas envie d'y être, c'est la Bulgarie. Est-ce qu'on peut aller sur la route, genre? J'ai cru voir une route. Parce que là, je suis parti dans... Oh non, je suis où, là? Là, au bout du chemin, je vais me faire mordre par un chien. Hein. J'ai déjà vécu cette situation. J'ai pas envie de savoir ça. Allez. Ah. Allez. 2 minutes 20. C'est quoi la langue?
Du cyrillique, évidemment. Ce point, c'est ma survie. Ah ouais? C'est grâce à ce point-là que t'as réussi à tenir. Oh, le bus! Non, c'est pas un bus. Déçu. Ok. On réussit à sortir. Pousse-toi la voiture, là, vite fait. Mais je sais pas lire. C'est toujours pareil. Pourquoi j'essaye? Pourquoi j'essaye, en fait? Après, c'est, ça se trouve, c'est pas la Bulgarie, mais je le garde quand même dans un coin de ma tête. Attends. Y'a pas d'antenne. Y'a pas d'antenne, c'est peut-être la Serbie. Une Serbie, là? Oula. Il s'en passe des trucs dans cette ville. Il s'en passe des choses. Bah ouais. Ouais non, c'est sûrement la Serbie. Hein. C'est sûrement la Serbie. Je suis certainement pas allé dans le bon sens. On va plonk middle Serbie. Hein. Faut le faire, c'est pas difficile à déchiffrer le cyrillique, pas besoin de comprendre la langue en vrai. Mais oui, je sais. J'avais essayé un moment, mais c'est juste... En fait, vu que j'ai déjà appris quelques langues, vu que j'ai fait des études de langue, quand une langue ne m'intéresse pas de base, j'ai beaucoup de mal à aller chercher, tu vois, aller chercher à l'apprendre un petit peu, tu vois, même juste l'alphabet. Je pourrais le faire, hein, mais ça m'attire pas. Juste le meilleur point de la semaine, ici, bah écoute, franchement, ça régale. Par contre, si c'est la Russie, Je casse le mur, hein. Comme un bon gamer. Hein. En vrai, il y a des trucs qui sortent là. Ça me fait très très peur, les trucs qui sortent du sol. De gaz un petit peu, peut-être. Si c'est la Russie. C'est la Russie. Un mur porteur? Non. On n'en peut plus, la Russie. Comment vous avez la ville, là, quoi? Nalchik. Bon, après, vous savez lire le cyrillique. Bien joué. Eh ben, dommage. Dommage. Est-ce que la prédit est morte? Non, je pense pas. Je pense pas. 1289, j'ai mis combien? 21 000. J'ai backseat sans faire exprès. Non, mais j'ai même pas capté, en vrai. Ah, ce sont les conduits de gaz, oui, à l'air libre, sécurité max. Ouais, franchement, ils sont chauds en sécurité. Tu l'as vu écrit? Ah ouais? Ah non, Et vu que j'ai vite passé le fait que je savais pas lire le cyrillique, je n'ai même pas essayé. C'est pas comme hébreu, j'en chie un max. Ah ouais, tu t'apprends l'hébreu là, Wally? Enfin, tu essayes de déchiffrer l'hébreu? Ça doit pas être simple, ouais. Ça doit pas être simple. Moi, j'ai le japonais, déjà. C'est pas mal, en vrai. J'ai le japonais, anglais, espagnol. On prend. C'est beaucoup plus sécurisé pour eux de mettre ça hors solde que sous terre. Ah ouais? Est-ce que c'est parce que, genre... Je sais pas, peut-être ça gèle trop en sous terre ou un truc comme ça. Enfin, non, je sais même pas, c'est censé plus geler dehors. Ouais. Bon, en tout cas, je suis le pire score sur ce round, et c'est pas étonnant parce que c'est la Russie. J'avais expliqué ça sur le stream de Ripayou. Ah, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là. J'ai fait du russe et de l'hébreu en parallèle. Le deuxième est hardcore comme l'arabe, en fait. Ok, ouais. Ouais, c'est sûr que tu t'es chauffé, quoi. L'hébreu. Après, je sais pas. Est-ce que c'était par rapport à GeoGuessr, Wally? Du coup, que t'apprenais ça ou pas du tout? Parce que je sais pas quelles sont les langues qui sont le plus intéressantes à apprendre pour GeoGuessr dans un premier temps. Tu vois, là où ça fait vraiment la diff. Je pense que le Bengali, c'est un des vrais trucs, mais je sais pas. Je vais coller le message pour éduquer la population. Ok, ça marche mini. Oui, que pour GG, oui, je me doute finalement. Mais ouais, je l'ai capté à la dernière seconde, j'aurais dû tenter un plonk random à l'est, comme ça, de la Russie, mais j'ai trop peur, en fait, de d'avoir le bon point et de changer à la dernière seconde pour de la merde, en gros. Le Bengali, le Thaï, ok.
Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont appris là dans le chat. Vous êtes un petit peu fada, mais tranquille. Vous faites ce que vous voulez, aucun souci. On part sur le round 3. OMG, un élan. On est au Canada alors. Stop. On est au Canada. Putain, par contre, les élans, c'est vraiment gros. C'est vraiment une dinguerie comment c'est grand. Bon, le message est trop long, je mets sur le Discord si tu veux. Ça marche. Après, tu peux le résumer en une phrase si tu veux. Est-ce que c'est par rapport à la température ou pas? J'ai vu jouer des gens qui déchiffrent le taille, ça carie un max. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que, ok, tu captes le pays assez vite. Et après, pour se repérer dedans, bon. Lots for sale. Ok. Bon, là, on a l'air d'être sur une route assez, assez grande quand même. Tu vois. Y a pas de montagne. J'ai pas envie de mettre. Enfin, y a pas de montagne. J'ai pas envie de mettre British Columbia. J'ai pas mis de points. Je peux doser. Et boum. L'accélération là-dessus directement. Attention, ça part. Boum, boum, tac. Tout droit. On arrive dans une ville. Un croisement même. Ok, ça veut dire que normalement, si on a un croisement, on a des indications pas très loin. Genre là. Beaver Loop Road. Ok. Beverly Hills. Pas ça du tout. Dis de la demeure. Attends, déjà. Speed limit. Oh, j'ai oublié. Merde. Non, c'est États-Unis du coup. Merde. États-Unis? Ils ont des élans, eux? Merde. Pourquoi ils ont des élans? Lâchez ça, non? Redonner ça aux Canadiens. Après, ceci dit, dans American Pie, il y a un élan. Donc, en vrai, ça fait sens. Ça fait sens qu'il y ait aussi des élans aux États-Unis. Mm. 42 secondes. Après, ça peut être où aux États-Unis? Vers le nord. Hein. Attends, tu sais quoi, on va à Montana? Je suis tenté Montana. Je sais pas. Je sais pas du tout comment c'est le Montana. Ou bien c'est carrément de l'autre côté, et ça va être carrément de l'autre côté parce que c'est tout le temps pareil. Ce pays de merde. Et ça va être là, et je vais tout casser. En gros. Ça va être l'idée. Ça va. Putain d'Alaska de merde. On n'en peut plus. Qu'est-ce que vous avez eu? Dites-moi. Let's go les puntos. En un mot ou deux? Oh là là. Si tu es sur le Discord, j'ai expliqué dans le salon GeoGuessr si tu veux. Je m'étais fait une liste de codes à deux lettres des régions sur les bornes, mais je n'ai pas encore pris le temps de la prendre par cœur, ça viendra. J'essaie de lire sur les bornes, c'est chaud, ouais. Là, hormis les plaques jaunes, donc Alaska. Logique. Ouais, mais logique, c'est pas une réponse qui me plaît. Alors, blabla. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, ce sont des tuyaux pour le gaz ou eau parfois, c'est commun dans les pays de l'ex-URSS, on en voit beaucoup en Russie par exemple. Peuvent être à l'extérieur pour plusieurs raisons que je cite dans le désordre. C'est plus pratique de les mettre comme ça car ils ont été posés après la construction des maisons, c'était moins cher à mettre en place. Certaines villes utilisent des tuyaux de mauvaise qualité qui ne résisteraient pas longtemps à un enfouissement. En cas de cassure, c'est accessible pour une réparation rapide, vitale dans les régions froides en hiver. Dans les régions où il y a le permafrost, il vaut mieux ne pas y toucher. Il est dangereux d'essayer de le faire fondre, genre en mettant des tuyaux de gaz dedans. Ok. Ok. Ouais, ok, bon, bah, j'avais à peu près l'idée sur certains points, mais... 614, c'est mérité. C'est mort pour la prédit, du coup? Je pense que oui, hein. Clairement. J'ai cru discerner une plaque jaune. Oui, je l'ai vu, la plaque jaune, mais j'avais oublié que... en Alaska, c'était aussi plaque jaune.
Moi, dans ma tête, il n'y avait que la plaque jaune de, tu sais, vers New York, tout ça. Uplifting cinématique piano, ok. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et du coup, c'est une fin de prédit, désolé. Désolé à ceux qui ont cru en moi une fois de plus, mais de toute façon, quand est-ce qu'il faut prendre... Quand est-ce qu'il faut croire... Ah, je sais plus parler, flemme. Ok. Ah, en vrai, Mizu, t'as eu l'Alaska quand même. Hein. Il y a un troisième état avec des plaques jaunes pisse. Non, je sais pas. J'ai oublié lequel, peut-être. Jaune pisse. Ouais, je sais pas. New Mexique. Ok. Ouais, en tout cas, si c'est trois états où t'as des plaques jaunes, en vrai, je pense que c'est assez... ça se remarque, quoi. Tu vois, t'as pas les mêmes paysages en Alaska, vers New York et au Nouveau-Mexique, donc dans l'idée, ça doit aller. Ça doit aller. Allez, on continue. OMG, c'est quoi ? Un chat ? Oh, la gueule du chat ! Oh, le pauvre. Le pauvre. Escolar, ok. On est en Amérique du Sud. Lima ? On sera à Lima ? Ok, j'ai pas le droit d'aller là, super. Et bah super, que j'aille me faire foutre apparemment. Bah oui, j'ai eu l'Alaska, pas la bonne zone par contre. Juste trop fort en fait, juste trop fort le man. On peut aller là ? Jure. Oh là, il écrit des trucs. Carosas, oh non. Oh non, le Brésil. Eh bah oui, évidemment. Moi je connais les numéros au Brésil. Non. Évidemment que non. Pitou. Ouais, bon, c'est le Brésil. Ok, maintenant, comment je fais quand tu connais pas les numéros? Il faut trouver des noms de villes. Alagoas. Alagoas, c'est peut-être la ville, du coup, ce truc-là. Maceo. Alagoas. Est-ce que c'est une grande ville? Sûrement pas. Sûrement pas. 88 sur le numéro de téléphone. Je connais pas. Pourquoi je fais genre attends, est-ce qu'il y a écrit la région? Est-ce que je suis aveugle? Maceo, peut-être la région? La région qui s'appelle Maceo? Ma. Maranhão. M-A-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 
T'avais un panneau Estados de Ela. Ah, j'ai pas vu, Manu, non. J'ai pas vu. Malheureusement, tant pis. On la voit à toutes les échelles, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais en fait, je cherchais Maceos, du coup, j'ai... Non, même pas, à un moment, j'ai cherché à Lagoas. Ouais, non, j'ai pas vu. Dommage. Allez, dernier point, on essaye de faire un 5000. Oh, putain, il m'a fait peur, lui, c'est... on essaye de faire un 5000. Il y a la mer. Pur le vote, toilette. Ok, donc on est au Sénégal. Au Sénégal avec la mer à l'ouest. Oui. Bah, ouais. effectivement, la mer à l'ouest. Boum, Dakar. Non, en vrai, je sais pas si Dakar, ça ressemble à ça. Faudrait trouver... De toute façon, dans les pays d'Afrique, généralement, pour s'en sortir, faut trouver des panneaux de pub avec écrit... des villes ou des trucs comme ça, quoi. Quincaillerie, est-ce qu'il n'y aurait pas écrit le nom de quelque chose? Marac... Hein? Maméchec... Maméchec... Attends, c'est comment l'orientation, là? Parce qu'il y a vraiment la mer à deux pas, quoi. Non, mais là, c'est les plages. Je sais pas. C'est peut-être pas du tout ça, et c'est sûrement pas du tout ça au niveau des... au niveau de la mer, tu vois. Bonjour, je ne regarde pas. Salut, Miko. Salut à toi. Ouais, tu vas faire le tournoi? Là, j'en suis à la map 2. Donc, en vrai, attention. Attention, faut que je le fasse, ça marche, pas de soucis. Pas de soucis, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Genre, juste une petite pub, parce que là, pour le moment, on n'a rien eu, mis à part de la merde. Ce qui est assez cool. De la merde, on en a ici aussi. Après, est-ce que ça nous intéresse pas trop? Toubaga. Peut-être Toubaga. Toubaga. Pourquoi ça serait pas Saint-Louis? Je sais pas. Après, c'est safe de mettre Dakar, mais en même temps, bah, si c'est pas ça, bah dommage, quoi. Toubaga, sur la côte. Toubaga, c'est pas... J'allais dire, c'est pas Wardé ici, je suis un ouf. Je veux dire, c'est pas Street View V ici. Toubaga. Sûrement pas ça, hein. C'est pas l'orientation, là. Ibra, Toubaga, non, c'est sûrement pas ça. Hein. Je sais pas. Les gars, il reste 20 secondes avant le lâcher. Merde. Faut y aller. Col franco-arabe, Mourou l'islam. Oui, mais... Je ne sais pas, mais c'est sûrement pas Dakar, évidemment. Sinon, ça serait trop simple. C'est pas Dakar, mais on n'est pas très loin. Caillard, ok. Ok. Caillard, est-ce que je l'ai vu sur un... sur une pub à un moment ou pas du tout? Est-ce que vous m'avez vu voir Caillard? Est-ce que j'aurais pu l'avoir au spawn déjà? C'est ça la question. Peut-être. Déjà, j'aurais dû partir de ce côté-là. Il y avait l'air d'y avoir beaucoup plus de trucs. J'aurais pas dû aller dans l'autre sens. Les ravages de LOL. Ah, je te jure. Eh, hey, des boutiques free au Sénégal, je savais pas. Bah ouais, apparemment. Ouais, non, mais ça devait être écrit, hein. De ce côté-là, ça devait être visible à un moment. Genre sur un petit panneau de ce genre-là, là. Ouais, voilà, Caillard. Ce point honteux de ma part. Non, en vrai, j'aurais pu l'avoir. Mais je me suis pas assez... je me suis pas raisonné. Et je me suis pas dit, il faut partir dans l'autre sens, tu vois. C'est un peu embêtant, du coup. 4842. On a battu... Oh, putain, j'allais dire, on a battu Mizu. On n'a pas battu Mizu. Mizu, t'as fait un 5K. Qui est le boss? Le mec est trop fort. Cette fois-ci, on finit 8ème. 8ème sur cette map dernier, malheureusement. Ce n'est pas grave. On va se rattraper sur le mariage. Hein. De toute façon, nous, on est un joueur no move. Hein. Comme vous avez pu le voir ici. 798 points. En vrai, très très chaud, le man. Très très chaud. Tac, qui m'envoie un message? Malade. Attends, mon frère m'a répondu ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Non, il répond pas. Bon, bah, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, en fait. C'est bon. J'ai voulu jouer en no move, j'ai pas trouvé, j'ai move pour avoir l'info de la vie, je ne l'ai pas trouvé, mais je fais 90 mètres. Oh là là, mais...
Mais Hugo, Hugo, le mec il joue à moitié et ça marche. Non. Alors ça dit quoi? Alors, Canada, Russie, Brésil, le bonheur, je te jure. Quant à XXX, le deuxième mot est l'État et le premier c'est la ville. D'accord. De façon permanente ou pas, Biquette? Ah, je te jure, le talent. Hein. Le talent de fou. Alors, vous savez quoi, on va se baser par rapport à Mizu. Mais Mizu, t'as fait 25K, qu'est-ce que tu veux faire? On peut même plus se baser par rapport à toi. C'est toujours le cas que ça soit l'État, enfin la ville et l'État, genre dans tous les pays ou juste au Brésil, du coup. Enfin, dans beaucoup de pays, une majorité. Ou Fur, aïe aïe aïe, Furred. Je suis capable de faire all-in. Et bah vous savez quoi. Pour la gloire. Pour ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire du beau jeu. 25K. Ou pas. Est-ce qu'on fait un 25K sur le mariage? Peut-être que c'est le moment. C'est peut-être le moment. Très souvent par tour. Ok. US, Canada, frère. Ok. Pérou. Ok, Argentine, Brésil. J'ai cru que tu disais Arg en mode... il est en train de mourir. OMG le all-in. J'en perds mes lunettes. Vraiment. J'en perds mes lunettes. Le all-in sur oui. Et y a personne en face pour le non. Mais non. Eh, faut quand même voter non. On parle quand même d'un 25K. Est-ce que je vais faire un 25K sur la map mariage, qui est une map no move? On n'a pas lu la description d'ailleurs. On n'a pas lu la description. Attendez, je vais vous la lire. Quelle mairie va-t-on choisir pour notre union? Vous serez évidemment tous invités, mais pour ça, il faut 5K. Ok, bon déjà, Ted's pas invité, Arnaud pas invité, Ulyanov pas invité, Sim pas invité, Titou pas invité. Allez, c'est ciao. C'est ciao, ça fera moins de monde pour le placement au niveau des tables. C'est parfait. C'est parfait. Philippines, Indonésie, Malaisie, Afrique en général aussi. Ok, bon, bah écoute. En vrai, on va partir de ce principe-là que c'est d'abord... D'abord la ville, du coup. Attends, je relis. D'abord la ville et après l'État. D'accord, ok. Baleko, je crois au bonheur, je crois en l'amour. Ah, l'amour avec un grand A, apparemment. À voter, j'ai cru que t'avais dit avorter. J'ai fait, comment ça? À voter. À confiance, parfait, parfait. C'est ce qu'on a envie de voir. Le mariage, 1 minute 30. La musique qui va avec Time Will Catch Me First. Aïe, 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 c'est très triste. Très triste, c'est ce qu'on est en train de voir. Un de nous mangera du riz jusqu'à la fin du mois, exactement. Exactement, ça sera une fin de parcours pour l'un de vous deux. L'un de vous deux n'aura plus rien du tout à se mettre sous la dent pour la fin du mois. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. On est parti? J'ai pas vu. 20% de oui et 80% de non. Est-ce que je vais faire le 25K sur cette map, le mariage? On va être devant des mairies, très certainement. Attention. On est parti. Oh, stylé. On est en France, jure. C'est quoi ça? La dinguerie. Ok, je capte l'ambiance. Je capte l'ambiance. Je capte plus l'ambiance. C'est pas un peu... Attends. On regarde l'ambiance. On s'imagine. On s'imagine où? On s'amuse au Touquet. Au Touquet, je m'imaginais bien un truc dans le genre. J'allais dire Normandie. Mais c'est le Touquet. C'est où le Touquet déjà? C'est vers là, là. On remonte. Fécamp. Dieppe. Le Tréport. Oh, je confonds le Tréport et le Touquet. Merde. Non, c'est là. Ok. Est-ce que c'est la mairie pour sûr? En tout cas, elle est très stylée. Très très stylée cette mairie. Par contre, j'ai pas le temps là, pourquoi je regarde? Point de vue, centre social, office de tourisme. Mairie du Touquet. J'ai pas le temps.
Ok. Normalement, c'est bon. Une minute trente, te balade pas trop. Ouais, non, j'étais en détente. Eh, qui a eu peur ici? Franchement. Putain, la blague de Nerds Labicat, j'ai vu, hein. J'ai vu, hein. Ah oh là là. Blague de Russie, là. Mais d'ailleurs, ça passera pas sur Synchrone, ça. Quoi? Comment ça passera pas sur Synchrone? N'importe quoi, c'est une formalité. C'est une formalité, ça. Si je fais pas 25K, bizarre. Faut pas être trop en détente. Ok, je me réveille. Je me réveille. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai. Il faut que je me mette ça dans la tête. On était au Touquet, évidemment. Surtout ceux qui ont voté, oui. Et ouais, on va pas les citer, bien sûr. Mais merci pour le soutien. Attention. Petite flamme. Et on va y aller. Oh, stylé, encore une fois. Les trésors cachés de l'ancienne abbaye Saint-Sauveur de Redon. Oh là là, eh bien, je ne sais pas où c'est. 02-99. D'accord. Saint-Sauveur de Redon, 02-99. Ça doit être la Bretagne, ça, non? Saint-Sauveur de Redon. Saint-Paul de Léon. Eh, y a un peu l'ambiance. Si je puis me permettre, en vrai, on n'est pas loin. Attends, j'ai peut-être loupé un truc. Salut GameFab. Salut. Saint-Paul. Je cherchais plus là-dedans. Hein. Saint-Sauveur de Redon. Saint-Aubin du Cormier. Je vais pas la voir, je suis abattu. Saint-Sauveur de Redon. Il reste 17 secondes, je suis devant la mairie, hein, on le rappelle. Redon. Here I come. Oh, here I come. Saint-Nicolas, c'est pas lui, Saint-Sauveur. Je vois pas. Non! Je la voyais pas. Don't Mémie. Non. Je la voyais pas, cette mairie. Non. Fin de la prédiction, je suis désolé à ceux qui perdent des thunes. Non. La réponse est non. Putain. Comment je l'ai eu? Je l'ai eu à la dernière seconde, en vrai. Oh là là, j'ai failli clutch une deuxième fois. Avec le beau drapeau forceur sur le fronton de la mairie. Ouais, je l'avais vu celui-là, putain. Mais c'est à ma périple, pas sans sauveur. Ouais, c'est vrai, putain. Putain, mais je cherchais la mairie, je l'ai pas trouvé. Il fallait zoomer plus. Pourquoi je crave tant? Ah là là, Titou. Au BDR. Bonjour, GameFab qui arrive sur un point Redon, je ne sais pas où c'est. Aïe, aïe, aïe. GameFab, tu viens de Redon, c'est ça? J'ai entendu Bretagne. Ah merde, GameFab, je t'ai fait déshonneur, c'est ça? Nous déçoit toujours Sage. Ok, bizarre. Bizarre l'ambiance. Mais bon. Écoutez, et la voie ferrée au nord en plus. J'ai pas regardé. Team BZOHO ici. Ah putain, carrément. La voie ferrée et le centre-ville jaune aussi. Ah, j'ai pas vu. Déjà, j'étais en train de paniquer parce que je savais pas où c'était Redon. Ah, effectivement, elle se voyait plutôt bien, on va pas se mentir. Mais c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que je suis le seul à pas avoir fait 5K? Non. Mais au moins, il y aura un peu plus de place au mariage, tu vois. En vrai, je suis pas invité du coup. Parce que là, il y a écrit... vous serez évidemment tous invités, mais pour ça, il faut 5K. Eh bien, je resterai chez moi. Tant pis. Ah là là. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec Saint-Sauveur? Bah je sais, j'ai bugué. Pourquoi vous faites XLT là? Si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Bonjour. L'excellente team, bien sûr. Ils sont là. Enfin, je crois que ça s'écrit pas team, du coup, team, juste. Mais ouais, bonjour à vous. Je suis dedans aussi. Hein.
Tu veux pas faire une prédic 15K, faut que Titou se refasse. Vas-y. Me parle pas, toi. Me parle pas. Hôtel de ville. Ok, on est en Alsace, on est même à Strasbourg, non? 0388. Certainement, mairie. Célesta, d'accord. D'accord, d'accord. Célesta qui est là. Allez, passe-moi ta mairie. Passe-moi ta mairie. Attends, je vais arrêter de zoomer autant à chaque fois. Hôtel de ville, Morina Alain Afelou. Hôtel de ville. Au Königsbourg. Ah là là. C'est l'Alsace, hein. C'est l'Alsace. Pyrox, il est content, là. Il est très content. Je trouve pas. Attends. Mairie. Ça va pas. Je suis décontenancé. Ah, voilà ça. Place d'armes. D'accord. Place d'armes. Écoute, on va la trouver, hein. Si on la trouve pas, c'est bizarre l'ambiance. Célesta, c'est grand ou pas? Mairie du Hayden. Ah, c'est pas ça. Si? Non. Il reste 15 secondes. Je le vois pas. Je suis aveugle. Ça y est. J'ai reperdu mes lunettes. Centre des finances publiques. Ah, mais je suis dessus. C'est pour ça que je le voyais pas. J'étais dessus aussi. Vas-y, le mec, il cache. Le mec, il cache aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, vas-y. Bon, ok, non, mais je suis content. C'est bien. T'étais pas assez zoomé. Putain, j'étais comme ça, littéralement. Un clic, un zoom de plus, mérite Célesta. Voilà. Alors. Oh là là, mais bon. Écoute, ça passe, hein. Ça passe. On est content. Les yeux ont été accurate, hein. Ah, quand je disais qu'il faut me zoomer au fur et à mesure, ouais, bah là, clairement, c'est pour chercher une ville, ouais, pas un point of interest, ouais. Non, clairement, j'avoue que là, pour le coup, j'aurais pu mieux m'en sortir au niveau du zoom. Ouais, tant pis. Tranquille, il verra peut-être la mairie depuis Strasbourg. Ah, peut-être, hein, peut-être, on verra bien. On continue. Un petit 5000, ça fait plaisir, quand même. Et mille fois merci, évidemment. Bravo aux soignants. Le sud. Le sud. Cisteron. Je sais pas. On va voir un petit peu autour. J'ai peut-être loupé un truc. J'ai certainement loupé un truc, hein. De toute façon, je loupe toujours quelque chose. C'est l'essentiel. Mutuelle de France. Un petit ciné. Au chien chic? Mais non. Cisteron Bouèche, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Si c'est pas ça, Je mange mon chapeau, hein, vraiment. On va être sur un truc comme ça. Ok. Après, je sais pas si c'est grand, Cisteron. Parce que en vrai, ça ressemble à un truc assez grand, là, quand même. Bon, je sais pas. Communauté de communes, ouais, peut-être. Hein. Écoute, ouais, hein. Oh putain, on est au middle. Mais oui, c'est devant la mairie. Mais cherche. C'est toujours devant la mairie. Ah, je reconnais, j'étais garé là un jour. Ah ouais? Mais non. Cisteron, c'est bien ou pas? Let's go, merci. Comment ça, let's go? Mais elle est finie, la prédiction. Hein. Ah. Quelqu'un ne l'a pas eu. J'aurais cru au complot si tu n'avais raté que le point Bretagne. En vrai, bah là, c'est comme si je l'avais eu, en vrai. Hein. Parce que, bon, ils auraient pu me le donner. Vu le point qu'on a donné à Mizu tout à l'heure, je sais plus sur quel pays. C'est mignon, il y a un très bon glacier, ok. Cisteron.
Parce que je le connais de nom, mais j'y suis jamais allé. Ah ouais, putain. Ouais, la montagne. Ah ouais. C'est un truc de fou. Nos régions du talent, là. Nos régions du talent. Ouais, mais c'est 25 mètres, là. Ah, mais ils abusent. 43 mètres. Vas-y. C'est bon. Ouais, c'est stylé. Je savais pas, il y avait une grosse montagne comme ça à Sisteron. C'est peut-être pour ça que c'est aussi gros sur la carte. C'est peut-être pas mal touristique. Citadelle de Sisteron. Stylé. Stylé, stylé. J'aurais cru au complot. En vrai, la Bretagne, bon, voilà. Ça s'est vu depuis la citadelle. Ouais, ok. C'est la vue là, depuis là-bas. Souchon, non. La Banque Populaire. La mairie là-bas. Feur ! Putain, je connais Feur, je connais pas... Bref. Et nous, on est à côté de quoi ? Oh, y'a un remix de Temporal Tower. Moderne, je sais pas quoi, là. L'instant T. Y'a la Banque Populaire, pardon. Je suis en full lag, là. Full lag cerveau. Je la vois pas, la Banque Populaire. Elle est là. Et la mairie, du coup, en face, oui, bah, c'est ça, ouais. On est dans le rond-point, oui. Ça me paraît plutôt pas mal. Let's go, il a la rêve de Feur. Ouais, ouais, j'ai la rêve de Feur, mais pas de Redon. J'ai même pas assez de points pour lancer un quoi. Aïe, aïe, aïe. Quoi ? Bah, Mizu le fait pour toi. Il est très sympa. Très, très sympa. Après, je sais pas si ça s'est entendu, parce que j'ai des bugs... J'ai des bugs son. Donc, ça se trouve, ça s'est même pas entendu. Attends, je vais tester. Ça s'entend, ok. Et bah, ça sera suffisant. Boum. Ok. Là. Boum. On a dit tout entendu. Parfait. pas du tout difficile à dire. Hein. Hop, 5000. Yes. Je suis pas dernier sur une map, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou en vrai. Merci, merci à ceux qui ont cru en moi. Enfin non, j'ai foiré du coup, mais merci à ceux qui n'ont plus de thunes. Merci à vous. On va essayer de vous refaire un petit peu sur les prochaines maps. On va essayer. Après, Je promets rien, tu vois. Je promets rien. Ok, sympa cette petite map France. En vrai, ça me régale. Ça me régale la France. Pas le mien. Aïe, aïe, aïe. On va continuer. Bon, cette semaine, c'est exceptionnel, comme vous pouvez le voir. Mais habituellement, il y a 4 maps. Il y a 4 maps, 2 moves, 2 no moves. Cette semaine, ils étaient en roue libre. Ils se sont dit, on va mettre une 5ème map. On n'en a rien à foutre. En gros, c'est ce qu'ils ont dit. On était un peu en mode, ok, bon, bah, on fait ça, hein, on fait ça, nous, on peut rien dire, hein. On fait all-in sur la prochaine, pas dur. Bah, là, aïe, 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 aïe. Écoute, on va voir, hein. La lune de miel, c'est la map 4, c'est une map move. Et oui, après le mariage, la lune de miel s'impose. Qu'allons-nous choisir comme destination de rêve? Très, très bonne question. Franchement, Bobigny, je pense. Bobigny, ça me paraît pas mal. Alors, bon, 24 528, on met combien, là? En vrai, je demande un petit peu d'aide. Quelque chose de sensé au niveau de la prédiction. GIF sur Yvette. Attends, du coup, on dit GIF sur Yvette ou GIF sur Yvette? Parce que du coup, ça pourrait terminer le débat de si on dit GIF ou GIF pour les images... qui bouge. Bourg-la-Reine. ça peut être pas mal, hein. Bourg-la-Reine. On dit GIF sur Yvette. Ok. GIF, du coup, pardon. Avec un... Du coup, on dit GIF. Voilà. Merci, El Soigneur. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. On est à la 4ème map du tournoi. Graphique, interchange format sur Yvette. Stylé, hein. Wesh les Jones, ça roule toujours? Bah écoute, ça va, hein. Est-ce que je vais finir dernier? Ça, je ne sais pas. Très très bonne question. Mais, au moins, on donne tout. Et ça, c'est le plus important, je pense. Ça, c'est le plus important, en vrai. Alors, 24 528 points. 2 médianes. Mizu, t'as fait combien, toi? Oh, Mizu, il a bien choke, là. Attends, qui a bien choke sa mère? Titou.
Et vous savez quoi? On fait 20 000. Est-ce qu'on fait 20 000 ou plus? Salut, salut, salut. Bienvenue à toi. J'espère que ça va. Est-ce qu'on fait 20 000 points ou plus sur cette map, la lune de miel, pardon? On va voir, hein. On va voir. Et toi, Riverplate, ça a été le café? Putain, j'ai pas pris de café. J'ai pas pris de café. C'est trop peu, 20 000. Eh. Regarde. 17 000, 24 000, 23 000, 24 000. Après, moi, je dis ça comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie de vous refaire? Tu vois, c'est ça la question du jour. J'attends que Titou vote pour voter l'inverse. Tralaz. Quelle générosité, Hugo. C'est très, très sympa de ta part de lui donner quelques points de chaîne. C'est vrai que là, Titou, malheureusement, c'est pas où il va voter, où il va dormir ce soir. Hein. J'ai voté non. Il veut pas d'argent, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas d'argent. En fait, il y a que moi qui n'ai pas passé la barre des 20K. Eh oui. Eh oui, c'est le problème. C'est le souci. Est-ce que mon frère m'a envoyé? Bah, j'ai fini. Aïe, aïe, aïe. Je suis en live. Là, je sais pas, il me reste combien de temps, hein. Je suis en live jusqu'à 16h au moins. Au moins, je pense. RIP. Allez, je crois en toi. Merci. Merci. Enfin, des gens qui croient en moi. Et ça, c'est cool. Merci Hugo, je suis prêt à te donner mes 100 sous avec plaisir. Oh là là, quelle sympathie. Toujours croire en lui. Eh oui, toujours croire. Toujours, toujours. C'est toujours l'idée. 95% de oui, 5% de non. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va y aller. On est parti. Map 3. Ouais, je crois. 3. 4. 4. Je sais plus. Map 4. Map 4, la lune de miel. Des destinations de rêve. Dites-moi d'ailleurs, ceux qui sont mariés, vous êtes allés où en lune de miel un petit peu si jamais. Et puis on va commencer tout simplement. Les flammes dégueulasses, elles sont là et c'est parti. Oh, stylé la Norvège. La Norvège, très stylée. En vrai, moi, ça se fait. Je serais très, très chaud. Très, très chaud. Pas marié, ok. Bien vu. Comme ça, pas de lune de miel. Pas de dépenses, hop. Et même le mariage, c'est cher quand même. C'est cher. J'ai des potes qui se marient en août, là. D'ailleurs, je suis... Attends, Knut ? Non, mais c'est un bonhomme, ça. C'est un nom. Hop. Ah! Gros lac quand même, là. Gros lac. Il y avait écrit des trucs, là, non? Non. Ah, il y a un gros pont là-bas. Vas-y, on va y aller. Sacrisoy. Sacrisoy. Je le sens bien, ce pont. Sacrisoy. On est sur des petites îles, là, des fjords, c'est ça? Ça, le nom? Sacrisoy. Norway. Lofoten, ok. Rennes, Lofoten, Norway. C'est là-haut, c'est Rennes. Après, on est... Sacrisoy, il faut trouver. Après, je sais pas si c'est un... Si c'est une ville. Si c'est une ville, hein. Ça, je ne sais pas. Ok, là. Oh putain, c'est stylé. C'est stylé comme endroit. T'as envie d'être là. T'as envie d'être là. Moi, je valide. Je valide cette lune de miel. Oh, mais non. Un truc de zinzin, hein. C'est une musique que je connais, ça. Brotherhood of Men, wow. So viril. Amnoa. Attends, il y a écrit un nom de ville, là, non? Amnoa.
Amnoy, ok. On a Rennes, du coup. On est là. Hop. Un petit pont. Là, on a une rue ou pas? Ok. Petit pont. Avec le... truc comme ça. Sûrement un truc comme ça, en vrai, non? Ah bah non, Amnoy. Ah, je sais plus. Je sais plus de quel côté je suis allé. Non, c'est forcément là. Ah, c'était là. J'allais cliquer dessus, dommage. Alors, ça se dit quoi, là? Ça raconte quoi? Alors, j'avais pas marié depuis 4 ans avec Geoguessr, pas mal, au moins t'as voyagé, Biquette. On n'est pas trop parti en lune de miel, mais on prévoit la Corée. Oh, la Corée, ça peut être giga cool, ça. On est parti en Martinique, nous? Oh, Martinique, stylé, ça. Je vis dans le péché. Sud ou nord, pile ou face, il y a un truc un peu mieux, je pense. J'avais pré-shot Bourg de Rennes. Eh, en vrai, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Désolé. Ça m'arrange pour la prédit. En plus, je prends des points pour le tournoi. On est bien. Et le mec est juste là pour m'éteindre, en fait. Le mec me déteste. La dinguerie. Par contre, Mizu, ça met les points. Hein. Ça met les points de fou. Très, très chaud. Ok. Écoutez, on continue. C'est parti. Très, très fort. Hein. Très, très fort. Ah ouais? Voiture noire. Argentine, d'accord, oui. C'est où qu'il y a des paysages comme ça en Argentine? Je n'ai pas la ref, bien sûr. Mais ça, vous avez l'habitude. Pas envie de finir dernier, c'est derrière moi tout ça. Oh là 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 là. Le mec est beaucoup trop fort, en fait, maintenant. Le mec ne joue plus dans la même cour que nous. Hein. Enfin, que moi, tout court. Hospital. Il y a pas écrit des trucs là vite fait. Après, il y a. Ça doit être bien bas dans l'Argentine en vrai, ça. Ça doit être. Ah bah oui, la Patagonie. La Patagonie, c'est où ça? Bah c'est. C'est là, non? C'est dans le coin, non? La Patagonie. C'est chez Florent Pagny. OMG, c'est lui. Ushuaia. Ushuaia, c'est littéralement tout en bas, non? C'est là? C'est dans le coin. Ushuaia. Ushuaia, ok. Mais j'étais où déjà? J'étais dans un coin très stylé. Hein. Un petit chemin entouré de deux lacs, d'accord. Ah, c'est certainement ça. Camino Luis Pedro Fique. C'est qu'ils font des gels douche, non? Ouais, je crois qu'ils font que ça. Par contre, eux, on dirait... je sais pas ce que c'est leur tenue, mais on dirait qu'ils font des trucs bizarres. Eh ben, écoutez. C'est juste un 5000, en fait. C'est juste un 5000, les gars. Voilà, hop. En plus, j'ai battu Mizu. Non, c'est Arnaud, merde. Putain, c'est quand que je vais battre Mizu, là? Regarde sur Google, Enigver Stadion, c'est un terrain de foot, holofoot. Ah oui, je connais, c'est celui qui est au bord de l'eau, non? C'est ça? Ouais, oui, oui. Putain. En vrai, imagine tu joues là, quoi. Imagine tu joues à cet endroit-là. Pa. Très, très bien. Hein. Oh, le post Facebook. Le post Facebook. Par contre... Il y a des protections un petit peu parce que là tu mets un penalty et ça s'envole dans la mer, c'est chiant non? Là c'est Galactic Football, littéralement. Une balle envoyée trop fort, ça part en natation, bah c'est ça. Hein. Et renvoyeur de balle en sueur. Hein. C'est pas pour les pieds carrés. Ah bah clairement, bah moi je joue pas. Hein. Je joue pas. Enfin, en vrai, stylé. J'aimerais bien aller dans ce genre d'endroit un de ces jours. Et puis j'irai, quoi, tout simplement. Ah là là, il a pas la ref. Non, j'avais pas la ref au début. Mais ça va, c'est passé. Ushuaia.
Ushuaïa, Ushuaïa, on est bien. On est bien, on continue. Ok. Ah. On est au Portugal ? Attends, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Ministère. Defensa Nacional. Força Aérea. D'où le soleil. On est sûr qu'on est au Portugal ? Oui. Quoi ? Je sais pas. Attends. Oui, si, il y a des... Oui, oui. Mais ça va pas être Portugal même, là. Ça va être... les Baléares, un truc comme ça, non ? Enfin, pas les Baléares, du coup, les autres, là. Comment ça s'appelle ? Ça, là. Madère. Pico Grande. Madère, je pense, c'est une bonne destination, quand même, en... En... Niveau tourisme et tout, là. Niveau lune de miel. Je sais pas si des gens... Ils sont allés ou pas. Defensa Nacional Força Aérea. Non. C'est peut-être pas là aussi. C'est peut-être pour ça que je trouve pas. Le mec... Ah, musique en... Oh non ! Oh non ! Hop, j'enlève. J'enlève, j'enlève. Des fois, ça fait ça, la musique, un petit peu hein, des bugs, donc désolé. Désolé pour vos oreilles, je vais redémarrer juste après. Cap Vert, peut-être. Je sais plus, c'est quelle île. Je sais qu'il y a des îles qui sont pas... Street View V. Mais lesquels ? Très bonne question posée là-dessus, hein ? Très très bonne question. Halao. Ouais. Viewpoint. Du coup, je vois même pas le chat là, vu que j'étais sur un autre chose. Ah, ça va être ça là, non ? Il me reste pas beaucoup de temps. Ministério de Defensa Nacional. Et vous savez quoi ? Je la tente ici. Et si c'est l'autre, bah je crève, hein, tout simplement. Si c'est celle que j'avais mis à la base, envie de crevax. Ok, ouais. Et bah je vais crever. Je vais m'en aller crever de suite. J'y vais. J'y vais. C'est pas une map move. Si, mais je me suis dit... si je descends, j'aurai rien, non ? Et B, crevons, comme la ville. Et B, crevons. Je sais même pas comment s'écrit ça. Et B, crevons est une ancienne commune française du département de la Manche et de la région Normandie. Ah ouais, bah écoute, on va faire ça. On y va, hein. La réponse est le Cap Vert. Alors, venez célébrer votre mariage dans ce radar, mesdames et messieurs. J'avoue, c'est un peu bizarre. Mais, en vrai, je suppose que c'est très beau tout autour. Je me suis mis sur le continent, donc j'irai rien. Je vais sur un café second round. Des bisous, Legends. Ça marche, River Plate. Bon café à toi. 2888. C'est pas dommage. Dommage. Ah, c'est pour ça, t'as... Ah, ça t'a pas tant niqué que ça, Mizu, en vrai. Ça t'a pas tant niqué que ça de te mettre sur le continent. C'est ok. Mais ouais, c'était une map move, mais je me suis dit, en descendant, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Je sais pas s'il y a des gens qui ont beaucoup bougé sur ce point-là. Est-ce que c'était forcément utile ? Je sais pas. Après, c'est vrai que c'était pas écrit la même chose, donc peut-être assez chaud de deviner. J'aurais dû mettre Madère. Eh ouais, mon pote. J'ai mis quoi, du coup ? Il a des Sao Miguel, inconnu au bataillon, tant pis. Tant pis, en fait. On continue. Ouais. Give way, keep left. Ok, bon, on est aux États-Unis du coup, vu qu'il y a tout qui est écrit de façon... Ah non, en Australie, ok.
Bah, c'est très stylé. Je sais pas où on est, mais... Et du coup, si jamais le Cap-Vert, c'est pas le Portugal. Hein. Ah, oui, pardon. Oui, je me suis perdu dans les îles. Je me suis clairement perdu dans les îles, comme un bouffe. Un classique. Explore Tasmanie. Explore Tasmanie. Oh, le chien, là. Il me saoule, hein. J'espère que vous l'entendez pas aboyer, parce que... Elle aboie pour absolument que dalle. Derrière les infos de fou furieux. Ah, je te jure, il y a des gens, ils sont partis là. Ils ont descendu la montagne, carrément. N'importe quoi. Bref. Et pourquoi j'ai pas vu Explore Tasmanie, moi? Eh bien, je ne sais pas. Après, on sait pas où on est exactement. C'est quel pic, là? The Pinnacle Area. Pinnacle Area. Attends, je vais faire le truc des zooms là. Parce que vas-y, je joue trop hasard, c'est ça mon problème. Attends, il n'y a pas une autre île? Je vais regarder un peu celle-là, là, vite fait. Non. Pinnacle Area. Non. Non. Il n'y a rien d'autre autour, non. Pinnacle Area. Je pense que ça sera notre seule info. Hein. Après, j'aurais pu descendre aussi, mais j'ai la flemme. J'avoue que quand je suis en haut d'une montagne, j'ai envie d'y rester en haut, tu vois. Un certain temps. Parce que t'es là, t'as pris le temps de monter tout là-haut, et tu dois direct descendre. Trop peu pour moi. Pine Lake Walk. Ok. Ça peut être dans le coin. Pinnacle. Je sais pas, mais ça me paraît pas mal ici, hein, dans le coin. Twin Spire, Mont Massif. Ouais. Yellow Creek. Ok, c'était plus bas. C'est pas grave. Fais pas l'Everest alors. Ah non, clairement pas. Je suis pas un malade. Attends, c'était quoi? C'était Wellington Park? Ok. Est-ce que j'aurais pu avoir Pinnacle? Non. Clairement pas, c'était trop... Trop, comment dire? Trop... Il fallait trop zoomer, pardon. J'ai eu un espoir pour ce point. Bon, bah non. Comment ça... Ah oui, parce que j'ai trouvé assez vite et après derrière, non. Oui, bah non. Ça, de toute façon... Moi, je fais pas des 5K, hein. Trop peu pour moi. Hein. Au sommet d'un pic, Intu met son point dans l'eau. Ah ouais? Ah non. Ouais, bah, quasiment. Tu vois Yellow à l'est quand même. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé. Toi, tu vois Yellow à l'est, moi non. Moi non, pas du tout. Ah, par contre, là, il y en a un qui est dans l'eau. Ah non, pas dans l'eau. Comment vous l'avez eu alors, ceux qui ont mis... qui n'ont pas vu l'info Explore Tasmania? On va regarder les scores, on aura peut-être notre réponse. Bah, on l'a pas eu, ok. 1798, je pense que tu l'as pas eu, t'as eu Australie, quoi. 2486 sur le R5 pour faire les 20K, ok, bah c'est une formalité, alors. Impossible challenge. J'ai jamais eu aucune info, j'ai fait tout au paysage. Mais paysage, là, c'est bon. Il y avait écrit Mount Wellington. Ah, j'ai pas fait gaffe, par contre. On l'a vu sur mon écran ou toi t'as eu mon Wellington? Attends, quoi? Il y a eu un crash ou pas? Parce que j'ai reçu un mail de résumé de stream. Normalement c'est à la fin de stream. Bizarre. Oh non, il n'y a pas eu de crash. Ok, coach. Le mec est giga chaud. Allez, le dernier point. On doit faire 2486. Une formalité. Une formalité, vu qu'on est en Italie. Merde. Lezzano. Benvenuti à Lessen. Moi, je pars là, direct, boum. Y'a quoi? Je sais pas si c'est là. Y'a écrit quoi, sinon?
Località Bellagio. Welcome to Lessen. Le lac. Le lac est à l'ouest. Le lac est à l'ouest. Cavagnolia. Ça ne sert à rien. Ça a un peu freeze à un moment, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ça restart le stream en rapide, même pas. Hein. Du coup, ça même pas crash, c'est un peu étrange. Bon, c'est pas grave. Les scènes, après... Les scènes, c'est pas... C'est pas là. On est sûr de l'Italie? Bah ouais. T'as voté non, pourquoi tu me mets le doute là? C'est un fou lui. Et il veut ma mort. Il veut ma mort lui. Zinzin. Ah, c'est beau. Ah ça, ça me fait penser quand même au... Ouais, dans ce coin-là, là. Après, c'est pas la Suisse italienne, quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Seine, Lugano, en vrai, dans ce coin-là, peut-être. Là, il y a un lac aussi. Lac de Côme. Tant qu'à faire. Les Seno, c'est ça? Attends. Hop. Les Seno, mais non. C'est parfait, ça. C'est ce qu'on a envie de voir. Hop. Est-ce que, à tout hasard, on serait dans le coin? Là, il y a quoi? Il y a un parking bizarre. Ok. Il n'y a pas de maison, là. Si, il y a des maisons en dessous. Là, il y a quoi? Encore un parking bizarre. Ah, mais il y avait ça. Mais ça marche. Ça sert à quelque chose, un petit peu. En vrai. Ça sert à quelque chose. Bon, je sais pas. De toute façon, moi, je suis pas là pour faire les 25K. Hein. Moi, je vous ai dit, on n'est pas du tout là pour ça. De toute façon, c'est pas la bonne orientation. Ça doit être plutôt ça. Ah, c'était plus bas. Ok. Plus bas. Attends, du coup, les Seno. What the fuck? Pourquoi il y a un panneau les Seno ici? Alors qu'on est si bas. Ouais, il était un peu coquin, hein. À 5K, celui-là. Comment ça? Bizarre. Mais ça passe. 4994 points. C'est tout à fait suffisant. Pour s'en sortir. Et je suis pas dernier. Je suis pas dernier. Le gestionnaire de stream s'est suicidé en entendant la musique tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Pardon, c'est pas bien de faire ça. Mais ouais, le mec, il voulait m'assassiner, là. On est sur de l'Italie, c'est un fou. J'aurais tout essayé pour te filer des puntos. Parce que je suis tellement pauvre que je suis prêt à tout pour la thune. Ah ouais. Ah, mais j'avais pas fait gaffe. Il était pas sur le bon lac depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, non, au début, j'étais pas sur le bon lac. Là, on était sur le lac de Côme, du coup. Le Carvagnana que t'as snobé, c'était ça. Ah, ok. J'ai pas fait gaffe. Pas fait gaffe du tout. Mais très chaud de l'avoir eu, là, en vrai. Avec le petit tac sur le côté. On voyait la grande ville en face avec l'orientation. Ah ouais, ok. Comment on dit ça? Je sais pas. View results, on est quand même sur du 22508, ce qui est tout à fait suffisant pour une prédiction où on disait on fait 20 000 points ou plus. La réponse est oui. OMG, il fallait croire en moi, en fait. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que c'est la première fois du stream où la prédiction est bonne. En vrai, on est plutôt content. Hein. Plutôt content. On dit pas on y va. Ok, j'avoue. je vais pas commencer à tenter de faire la bonne prononciation italienne. Ça va mal se passer, je pense. Donc, hop, il est quelle heure? 3h30. Ok, ça va être pas mal pour mon frère. J'espère que je serai là pour 16h. Ok, stylé. En vrai, les points, moi, je valide. Hein. Pour une lune de miel, on avait quoi? On avait de la Norvège. On avait, du coup, de l'Italie. On avait de la Ushuaia, Patagonie. Peut-être un peu plus cher le budget. On avait quoi d'autre? Madère. Ouais.
Franchement, moi, ça valide, hein. Ça valide. Mais en vrai, Titou, tu parlais de Corée du Sud tout à l'heure. Je pense que ça peut être un très très bon pays à faire. Je pense que c'est un très bon pays. Après, il y a quand même le Japon à côté. En vrai... Go Japon, non. Tout ça pour finir à Évreux. J'avoue, tout ça, tout ce chemin pour finir à Évreux, quoi. C'est triste. C'est quoi cette musique, là? Une musique de dessin animé, c'est quoi, ça? 2006, what the fuck, ça existe pas, ça? Allez, hop. Ça dégage. Moi, je suis Team Japon, mais c'est ma femme qui rêve d'aller en Corée. Mais ouais, mais vas-y, convainc-la d'aller juste au Japon, hein, parce que... En vrai, Corée, ça, c'est cool, mais je pense que c'est pas du tout le même genre d'ambiance. C'était Bébé Brune? Non, c'était... je sais pas ce que c'était, mais c'était pas Bébé Brune. Elle me dit, le Sud, c'est les gentils, c'est ça. Ok. Il y a du chemin. La géo, c'est pas son truc. Ouais, ok. Ouais, c'est les gentils, ouais. Enfin, relativement. Ok, la Terre 5 du bonheur. Donc, apparemment, c'est une ref. Et là, c'est une map bonus. Est-ce que, du coup, c'est une map bonus dans le sens où on a juste 5 maps cette semaine, ou est-ce que les points ne comptent pas dans cette map pour le score final? 5 maps cette semaine, ok. Donc ça compte. Ça compte. Tout compte, ok. Donc la TR5 du bonheur, en bonus parce que le R5 est trop mimi, mais qu'on savait pas où le mettre, bah vous avez un affine ton round 5, les indices sont dans l'ordre. C'est quoi affine ton round? Je connais pas, j'ai pas la ref. Je sais que c'est sûrement un mode de jeu de la ligue ou je sais pas quoi, mais j'ai pas la ref vu que je fais pas la ligue et je suis pas. Comment on fait? Retiens bien, les indices sont dans l'ordre. Les 4 rounds. Moi j'aime les ATR5, ça fait bosser le mapper, ok. Les 4 premiers rounds donnent un indice. Ok, les 4 premiers rounds donnent un indice pour trouver le 5, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, on avait fait première semaine avec les chansons de Sim. Oui, ok, d'accord. Ok, je l'ai. Qu'est-ce qu'on fait comme prédiction? Ça te permet de trouver le cinquième. Est-ce que... Bah non, j'avais pas demandé ça, mais est-ce que... Ouais, si. Est-ce que le cinquième round est quand même faisable sans avoir trouvé les indices? Ou impossible, vraiment? Alors, 22 000 points en médiane. Je peux voir... Merde, je peux pas voir. On met combien, là, on prédit? Non, impossible sans les indices. Ok, bon. On juge un bon mapper à une bonne ATR5. Ah ouais, Wally? Ok, bah écoute, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Après, il y a eu pas mal de réussite pour trouver le cinquième round, donc ça va. Impossible du coup, ok. Bah écoutez, prédiction. On va mettre... On fait 21 000 points ou plus pour cette map. J'ai tenté 21 000 points parce que je vois qu'il y a quand même des points où ça a été un peu plus compliqué pour tout le monde. Donc, à voir ce que ça donne. À moins d'un repeat, le R5 est en général impossible. D'accord, ouais. Allez, je file, bonne fin d'après-midi. Ça marche, Hugo. Merci d'être passé. Merci pour le sub offert. Et bon week-end. Bon week-end à toi. Bon week-end. Est-ce qu'on va finir dernier? Sachant que Ulyonov n'a pas fini sa semaine. Donc... Et quoi? Attends. Sachant que Ulyonov est devant moi alors qu'il n'a pas fini sa semaine, alors qu'il n'a pas fait 2 maps. Je suis dernier, là. C'est... Même si je fais 5000, je suis dernier. Je pense. Putain, je vais devoir offrir un sub. Casse les couilles, quoi. Bon, n'hésitez pas à prédire. Pour le moment, il y a 9% de oui et 91% de non, donc... Faut y aller là, faut envoyer la thune. Eh, hey, faut y aller. Là, on est sur une musique d'Hadès. Hein. De Hadès. Simule pour voir. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah non. Ok. C'est encore faisable alors. Il faut faire le 5000 de partout et
A noter que personne ne l'a fait le 5000 de partout. Donc chaud. Ouais. T'es pas dernier si tu fais 25K. Mais je sais pas à partir de combien je suis juste avant le dernier, tu vois. À quel niveau. C'est win, ok. Formalité cette game, c'est une formalité. Donc on a 38% de oui et 62% de non sur la prédiction. On va y aller. La TR5 du bonheur. C'est la dernière map de ce tournoi. Si jamais vous voulez faire le tournoi, les autres semaines sont disponibles, hein, parce que, bah, j'avoue que faire cette semaine, la semaine 6, c'est pas forcément le plus intéressant, si vous avez vu mon point de vue. Mais les semaines précédentes sont disponibles, donc n'hésitez pas. Et c'était très sympa de les jouer, d'ailleurs. Et moi, j'ai mappé la troisième semaine. Après, est-ce que j'ai bien mappé? À vous d'en juger, bien sûr. J'ai l'impression que le R2 pique un peu. Ouais, j'ai vu des scores un peu plus faibles sur ce round. Donc, on va voir. Attention. On est parti. Faisons-nous 21K ou plus? La réponse maintenant. Québec Village Hall. Ok, Québec. En UK. Là, on est en UK. La bonne musique de... Ok, il va où là, le man? Il va où? Qu'est-ce qu'il nous fait? On est à Québec, d'accord. On est à Québec. Durham. Ça me dit quelque chose, Durham. Dundee. Esh, Durham. J'espère que j'ai la bonne ref, sinon j'explose. On va pas se baser que sur ça, mais on retient. On retient Esch, Colliery. On va aller dans l'autre sens. En vrai, je pense que c'était peut-être mieux d'aller là-bas. Encore un point dans les Vosges à tous les coups. Oh là là. Tout ça pour... Imagine le cinquième point, c'est à Évreux. Imagine tout ça pour revenir à Évreux, quoi. Là où tout a commencé. Non, c'est très trop. Ça serait trop. Après, on a 2 minutes. Québec, Outre-mer. Eh ouais, il est là. Il est là. Ah, un truc peut-être un peu plus intéressant, ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit rien du tout. Après, il y a des petits murets, là. Attends, il y a un camion. Dans l'idée, on fait pas confiance au camion, mais là, bénéfice du doute. Tac. En vrai, ça a l'air d'être bien haut. Je sais pas pourquoi, je me dis... Dundee. Elgin. R. Ah, il y a Perth. Perth. Mm-hmm. Bon, déjà, si on avait un petit indice, ça serait sympa. Ah, Lanchester, B6300. En vrai, c'est bien rangé dans ce pays, je crois. Genre B... Non, attends. B. Y a pas... Ah, il faut zoomer, non? Je sais plus. Je connais pas bien le pays. En même temps, est-ce qu'il y a un pays que je connais bien? En vrai, pas trop, hein. Esh. Lanchester. Lanchester, ça serait peut-être la grande ville, hein. Ça serait peut-être la grande ville. Lanchester, Chester, bon, en vrai, Chester, Lanchester, on n'est pas loin, hein. Il y a de l'idée. Wick. Je vais pas la voir, je vois rien. Là, je suis en fin de stream, déjà que je voyais pas grand-chose de base, alors imagine à la fin. J'ai pas cliqué! Je suis dernier. Je pense savoir crier. Ah, putain. C'est une dinguerie de faire ça. En plus, j'aurais pas été si loin que ça. Oh non. Je suis abattu. Le gars oublie de guess. Je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Oh, zéro. Bah, vas-y, on va voir. Hein.
Déjà, ce qui est sûr, c'est que la prédiction est terminée. Et je suis dernier. Je suis dernier. Putain, non, j'ai la haine. Là, tu mérites d'offrir un sub. Oh, putain. Je l'offrirai à la fin. Je l'offrirai à la fin. Ah oh, non, je suis abattu. D'où j'oublie de... Non, je suis trop fatigué. C'est trop de faire ça. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'oublier de cliquer. Ah non. Hop. J'ai voté oui, évidemment. Putain. On fait 21 000 points. La réponse est non, du coup. Direct. D'office. Bon. Du coup, on était où? On était à Québec. À Québec. Ok, d'accord. L'indice, c'était Québec. On va essayer de faire mieux. Ça va pas être compliqué. Sherbrooke Lodge Road. On est en Australie. Ça va pas être compliqué de faire mieux, je pense. Je pense que là, c'est pas mal. Escroc. Comment ça, escroc? En vrai, je m'auto-sabote en faisant ça. Parce que là, du coup, je suis obligé d'offrir un sub. Tu te rends compte ou pas? C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. En fait, je sais pourquoi j'ai pas cliqué. C'est parce que... Je crois j'ai fait du fast travel ou pas? Parce que... En fait... J'ai trop l'habitude d'appuyer sur entrée, enfin sur espace pour faire le fast travel, et du coup je préfère pas mettre de points, et sans le fast travel, je l'aurais mis, hein. Je l'aurais mis ce putain de point. AB90, c'est quoi ces routes? AB, il y en a ici ou pas? Non. A3000, de toute façon c'est dans ce coin là, hein. La mer elle est où? Elle est là-bas, elle est au sud. B. Ah. Ouais, l'auto-sabotage, hein. Ah, je suis abattu. Ah, il m'a pris mon énergie, le point, ça y est. Il m'a terminé. Il m'a éclaté au sol. Il m'a pris ma tête, boum, dans le sol. Terminé, mon gars. Yarook World... Le streamer serait donc condamné à finir dernier. Ah là là. Qu'est-ce que tu veux faire contre ce genre de maléfice? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la question. Je sais pas ce que je cherche, Wally, j'ai rien. J'ai rien. Lockhart Gorge. Ah là là. De toute façon, ça va être dans ce coin-là, c'est sûr. Arrête. Arrête de chercher. Ok, j'arrête. J'arrête de chercher. De toute façon, est-ce que j'avais vraiment commencé? Ça, je sais pas. Très bonne question. Non, mais ouais, de ce côté, il n'y a rien. Hein. Et c'est trop tard pour back. Sherbrooke Lodge Road, c'est trop tard. Hein. Alors, à tous les coups, il y avait un petit truc de ce côté-là, donc on va être bien déçus. On va être bien déçus, et puis tant pis. Allez, un petit truc, quoi. Donnez-moi. J'ai fait le tournoi il y a 3 jours, je la cherche encore. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un jour, tu la trouveras, Titou. Hein. Peut-être un jour, tu la trouveras, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas, j'ai cliqué. Hi, putain, j'avais pas cliqué. Je suis un fils d'up, hein. Et en plus, je me mets à 71 km. J'avais cliqué ou pas? Putain. Faut pas faire des trucs comme ça. Est-ce qu'on a le droit dans ATR5 de... Attends, c'était Sherbrooke du coup? 4764. Sherbrooke, je crois, le... L'indice. Good call. Ouais, ça passe. Après, c'était quoi du coup, AB90? Les panneaux pentagonaux comme ça correspond à une abréviation d'une ville comme avec son kilométrique. Ah ouais, AB. Du coup, c'est quoi AB comme ville? Bon, c'est dans le coin, quoi. Pas le droit de chercher entre les rondes, ça marche. Bah, je crois que c'est Sherbrooke. Hein. C'est Québec, Sherbrooke. Sherbrooke, j'ai pas la ref. Ah si. Lis, j'ai écrit. De quoi lis, j'ai écrit?
Ici, en l'occurrence, c'est Apollo Bay. Ah, ok, pardon. Pardon, pardon. J'ai pas vu Apollo Bay. Il est où? Ah là, d'accord. Forêt de Sherbrooke? Southwest. Où sommes-nous? Oh non, les États-Unis. T'en as mis combien des points États-Unis dans ce tournoi, Biquette, avec Octa, là? Dis-nous. Tu as le droit d'écrire les indices sur des blocs-notes, par contre. Ok. Sherbrooke, Québec. Bon, après, ça devrait aller. Après, je vais peut-être noter, parce qu'au bout d'un moment, je vais oublier, me connaissant. El Paso. El Paso, c'est au Nouveau-Mexique, non? Ou au Texas? Ou à Arizona, pardon? Texas? El Paso. El Paso, El Paso. El Paso. American City. Attends, du coup, j'ai... Southwest, ok. El Paso. On va le trouver, on va le trouver. On va le trouver. Gallup. Lo que paso, paso. Exactement. Truth or consequences. Ça me fume, ces noms de villes. C'est interdit de dire des trucs comme ça. Après, c'est pas une ville à la frontière, El Paso? Del Rio. Ah, El Paso, oui. Oui, oui, oui. Et on est à l'aéroport. Ok. Après l'aéroport, quel côté? Là. Southwest. Et du coup, il y a écrit quoi, là? Southwest Ticketing. Il y a l'aéroport là-bas. Ok. Truc ticketing, il faut l'avoir. Faut le trouver, ce truc de ticket, là. Le truc de ticket. Non, ça va pas être ce côté, je pense. Aero Vista. Ça va être dans ce coin-là, là. Après, ça correspond pas à l'orientation, donc c'est chiant. C'est chiant. Attends, y a pas un autre truc vite fait, là, Southwest. Attends, je vais regarder là. Ah ouais, là, il y a la piste, vraiment. Il y a vraiment la piste directement, quoi. Ah, là? Dans ce coin-là? Best Western, on n'a pas de Best Western. Ah non, je ne l'aurais pas. Bon, après, au moins, je suis content, j'ai eu la ville. C'est déjà pas mal, et quasiment le 5K, je pense. Donc c'est plutôt ok. Ouais, c'était là, j'avais pas vu. 4999. Ça n'avait pareil que si on zoome suffisamment, c'est une dinguerie. Ouais, t'as vu comment j'ai dû zoomer? Heureusement que je me suis rappelé que c'était à la frontière. Hein. Attends, vas-y, je vais noter parce que j'ai oublié. J'ai rien pour noter, super. J'ai pas de papier. Ah si, j'ai un truc de la banque là, c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Alors, Québec. Québec. Sherbrooke, Southwest, ok, donc il y a sûrement Québec, Sherbrooke, et après c'est au sud-ouest, et après un autre indice, quoi. C'est ça, Québec, Sherbrooke, Southwest, c'est bien ce que j'ai, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tout le monde le cherche toujours, c'est horrible. Ah ouais, ouais, c'est vraiment un truc que t'arrives pas à trouver. Ça se comprend, vu comment il est écrasé là parmi tous les trucs. Fais pas comme moi, Ashtaka, je t'en supplie. Old El Paso. T'as fait quoi, Mizu? Je me suis fait avoir à cause de ça, Wally, ça m'a rendu fou. Ouais, tu l'as pas vu avec le zoom. El Paso, c'est une des villes les plus sûres des USA, et Ciudad Juarez, une des villes les plus dangereuses du Mexique. Ah ouais, genre vraiment, elles sont côte à côte et... Et c'est le bordel, quoi. Oh, putain. 4999. Oula, je vais être en retard. 15h55. Je vous dirai quand je serai parti. il me reste 2 rounds. J'ai passé tout le round à chercher le passage, je l'ai jamais vu. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend.
Parce qu'il était caché par Ciudad Juarez, j'étais jamais au bon niveau de zoom. Ah là là. Bolton. Bolton. Vas-y, on note. Bolton. Hop. The Bolton même. Ok. Ok, ok. Zeda, j'ai cru voir. Ouais, ok. Afrique du Sud. Elle passe au Montargis, même combat. J'avoue, Montard, là, qui est caché par je sais plus quelle ville à côté. Ça casse les pieds, ça. Sacred Heart College. De Langui. Bonne machine à café, ça. On prend. On prend, on prend. Garden Shop, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait avoir la ville, s'il vous plaît? Welcome to the parks. The parks. Cap Secured Area. Hein? C'est un quartier, vous pensez? Je sais pas. Je vais me mettre là en attendant. Au moins, je mets un point, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Attends, on avait un truc là. Caroline de Villiers. Oh, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Ça je valide. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Oh, I would love to be part of your family. Oh non. Aïe aïe aïe. Outon. Pas grand chose. C'est la même. Garden Shop. Parkswood. On a un point, c'est déjà ça. Franchement, on est pas mal. Et bah bon week-end. Bon week-end, Tof. Merci d'être passé. Merci à toi. Profite de ton week-end. Street Talk. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, là. On est dernier. D'office. D'office, on est dernier, donc... Non. Bolton, Bolton, et pour trouver le point 5, on va devoir... En vrai, on va voir ce que ça donne, je sais pas si c'est évident de fou avec les indices que j'ai, mais... Parce que là, Bolton... Je sais pas. Netcar Center. J'ai pas le temps. Score 0, on progresse. Voilà, clairement. Hein. Franchement, petit à petit, hein. Petit à petit, on y va. Ah bah là, on progresse pas. Hein. Johannesburg. Vous avez eu Johannesburg? Ah, y a pas grand monde qui l'a eu en vrai. Bah. C'est qui ça? C'est Titou, il a enlevé ses lunettes. Y a Sim. Au numéro de téléphone. Oh non, non, non. Me parle pas de ça. Je suis pas d'accord. Me parle pas de ça. 2105. Et Sim, je sais pas. Non, Sim, il est... T'es là encore, Sim, ou pas? Je sais plus. Les indices sont dans l'ordre. Retiens bien ça, ok. Alors, on a Québec, Sherbrooke, Southwest et Bolton. Merde. J'ai retourné en Y mon micro, là. Ok. Bah écoute, on va voir, hein. On va voir pour ce affine ton round de 5. Est-ce que ça va être bien? Québec, Sherbrooke, Southwest, Bolton. I! Québec. Québec. Sherbrooke. Faut trouver Sherbrooke qui est là. Southwest, ok. Bolton. Bah, après, c'est un Lac Lovering. On aurait la forme, non? Parce que là, c'est quand même... Après, là, on est sur la Saint-Valentin, on a capté l'ambiance. Bolton, par contre, je capte pas Bolton. Bolton. Lac Brom. Après, pour moi, c'est un petit truc quand même, ça, non? Lac Lovering. Bolton, je l'ai pas vu. Ça se trouve, je suis dessus encore une fois.
Ouais, je connais, il est célèbre, le lac. Ouais, il a l'air célèbre. Hein. Je crois que j'en ai déjà entendu parler de ce truc-là. Bah, c'est pas la forme, hein. Donc, Backport, c'était The Bolton. Donc, ça n'a aucun rapport. Bolton Center. Bolton Center, Lac Nick, Ruisseau des Perdrix. Bolton Est. Oh, c'est lui. Non ? Il ressemble pas. Bolton Center. C'est pas lui. Ce n'est pas du tout la bonne forme. Bon, après ça s'approche un petit peu. Hein. Étant Baker, bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un truc. Ah, c'est grand Bolton, en fait. West Bolton, Bolton Grey, ouais. Lac Broom. Non. Non, ça va être dans le coin. Hein. Ça va être dans le coin. Celui-là ? Non. À remonter un petit peu quand même. J'ai peut-être pas... lui ? Après, ils ont tout un peu des formes... tous un peu des formes de cœur, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Après, ça me paraît étonnant qu'il n'y ait pas de point d'intérêt dessus. Donc, c'est certainement pas celui que j'ai mis. Il cherche un lac avec un vrai cœur. Bah ouais, mais non, c'est... Enfin, à peu près, tu vois. Je sais pas. Non, c'est... Ou bien c'est juste celui-là. Avec des artères et tout. Ouais, il y a tout. Un plus beau cœur, ouais, lui, il est pas... Il est pas très beau, tu vois. Après, je suis dans Bolton, en vrai. C'est bon, quoi. Après, je suis pas au milieu. Oh, putain. Ok, ça passe. Fais pas une misu. Yes! Je l'ai eu. J'ai... Ah, non, misu. Ah, ouah. Allez. Bah alors. Bah, misu. Non, mais misu, gros choc, en vrai. Misu, là, t'abuses. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, misu. Je suis abattu. 5000. J'ai trouvé le Affington Round. Yes. J'ai pas fini dernier. Putain, je suis égalité avec Mizu. Merde. Mais 145 mètres, c'est encore 5 ça. Faut faire 146 mètres pour le 5K et il a fait 145. Eh ben écoute, franchement, c'était une formalité. Hein. C'était une formalité. Après, le jeu n'avait pas envie de voir Mizu à cette place, quoi. C'est tout. Pas mérite quoi ? Comment ça, pas mérité ? Vu le zéro que j'ai eu au début, c'est très bien. C'est très mérité. C'est très mérité. Parce que imaginons, je sais pas, imaginons j'avais fait un 4200, tu vois, parce que j'étais pas non plus hyper loin. Tu sais quoi ? Un 3008. Même un 3008. Bon, j'étais toujours dernier, vas-y. Vas-y, c'est bon aussi. Je finis le tournoi devant toi, je m'en fous. Ah ben là, avec un 0, non, c'est trop. 0 et aussi gros de choc, celui-là, là, alors que toi... Moyennement de choc, je crois, 2064, 2036, ouais, moyen de choc là. Bon bah ça passe, bah voilà. Est-ce que, bah non, du coup j'avais déjà fait la prédiction. Eh bien je finis dernier. Ah là là, bon, Ulyanov ne compte pas, hein, vu qu'il a pas terminé le tournoi. Du coup je termine dernier, sachant qu'Ulyanov il est à 109. Point alors qu'il a pas fini deux maps. Je pense qu'il va se mettre entre le 5 et 6ème place, au moins. Ah ouais, c'est toi qui a déplacé Biquet. Oh, le boss. Le boss, il est allé chercher le petit point tout seul. Bah, bien joué. Faudra m'expliquer comment, ou alors je cherche la doc chez les mappeurs. Ah ouais, parce que c'est un truc qui est difficile. Faut utiliser Twix. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Bah, bien joué à tous. Du coup, cette semaine, c'est Hugo qui arrive en première position. On a Arnaud en seconde position. Pyrox, troisième, le podium. Quatrième, Sim. Ted, cinquième. Sixième, Titou. Mizu, septième. Huitième, moi-même. Et neuvième, Ulyanov, mais qui n'a pas terminé. Donc, il n'est pas forcément à ce niveau-là. On verra. Le truc, c'est avec du caramel. Ça, c'est bon, ça. Putain, ça me donne faim. En plus, là, je dois aller chercher mon frère. Attendez. Bon, bah, je vais offrir un sub, hein.
Je vais offrir un sub vu que j'ai dit que si je finissais dernier, je ferai un sub. Allez, hein. Allez, hein. Hop. J'enlève ça vite fait. Tac. C'est où mon stream là? Je sais même pas. Je sais même pas. Tac, chaîne. Je suis obligé de faire comme ça. Allez. Hop. Je coupe le son parce que sinon je vais crever. Offrir un abonnement. Offrir un abonnement. Aléatoirement. Octa ou Wally? Ah oui, c'est vrai que je peux faire. Je peux choisir. Ah merde. Je crois. Je sais pas comment on choisit. Ah, bon, bah écoutez, bah ça sera le gros mort. Merde, désolé. Désolé, désolé. C'est vrai que j'aurais pu offrir à quelqu'un qui est un peu plus là souvent. Le gros mort, je ne sais pas. Putain, attends, ça. Ah oui, ça fait en boucle vu que. Attends, merde, merde, merde. Bon bah, c'est pas grave. C'était pas comme ça, visiblement. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Désolé. Désolé, Wally, c'est vrai que j'aurais pu offrir à quelqu'un qui était là dans le chat. C'est un peu my bad là-dessus. Ou à quelqu'un d'autre qui n'avait pas le petit sub. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, merci. Merci à Biquette et Octa pour cette semaine full love, full Saint-Valentin. Alors que nous, on a passé notre Saint-Valentin à jouer à Baldur's Gate, bien sûr. Et sûrement là plus souvent que moi, t'inquiète. Bah, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche le random. Alors, Wally, suis-je un bon mappeur? Très très bonne question. Très très bonne question. Écoute, mon frère qui me dit mets-toi là alors que je suis pas encore arrivé. Je suis pas parti. Je vais couper le stream. Est-ce que je dois aller chercher mon frère au lycée? Hop. Merci beaucoup pour la map. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était très sympathique de faire cette map, de faire ce tournoi en votre présence. Si jamais vous voulez faire le tournoi et que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous pouvez aller tout simplement sur ce lien qui est dans le chat avec les différentes semaines. Donc là, on en est à la semaine 6 de la saison 2 de l'excellent tournoi. Il y a les 5 précédentes à faire. Donc, n'hésitez pas. Merci à toi, le H. Bah, merci à vous d'avoir été là. C'était très sympathique de votre part de passer. Merci d'avoir participé dans le chat. Merci pour les follow, les subs. Merci beaucoup de votre présence. Bon week-end à tous. J'espère que vous allez bien vous reposer. Moi, je vais jouer à Baldur's Gate. Voilà. Allez. Bonne semaine. Bon week-end, pardon. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez. Salut.